m'appelle Raman et je suis étudiant en architecture, en deuxième année de l'école d'architecture de Bordeaux. Donc je viens de Bordeaux jusqu'ici pour présenter mon film et pour qu'on puisse discuter de sujets de réfugiés. On a vu, j'ai un peu raconté comment ça s'est passé avant, avec mes amis, tout ça, à l'école, au collège, enfin à l'école primaire. Et ensuite, pourquoi j'ai quitté la Syrie, à cause de quoi. Voilà, c'était la guerre, donc c'était pas mon choix. Et comment je suis parti en Turquie, comment on part, comment on choisit, enfin, comment on traverse ce chemin pour arriver jusqu'à l'Europe. Pourquoi je suis arrivé à C'est pas un terrorisme, mais une dictature. C'est, il y en a dans beaucoup de pays, dans l'histoire de l'humanité, certains présidents, il aime plus le pouvoir et l'argent plus qu'autre chose, quoi. Donc, il reste dans le pays pendant des années, et après, c'est ce qui leur intéresse, c'est juste le pouvoir. C'est la chaise de présidence, voilà, on va dire. Et il ne s'intéressait pas beaucoup à son peuple, à les problèmes dans le pays, tout ça. Donc, là, par exemple, en Syrie, c'est un pays qui est... les habitants, les gens, ils sont très bien éduqués. Le minimum là-bas, c'est par exemple, on va dire, c'est le bac. On ne va pas trouver un jeune sans bac, quoi. Soit le bac, soit le diplôme, comment ça s'appelle, licence, master, tout ça. Sauf qu'après, il n'y a pas de travail. Dès qu'on finit les études, on ne peut pas travailler, quoi. C'est très compliqué. Et il y a le service militaire qui est obligatoire. En gros, je ne sais pas si vous connaissez, en France, ce n'est pas obligatoire. Mais là-bas, il faut aller faire le service militaire, quoi. Et pendant les guerres, il faut aller porter des armes et aller tuer les gens, quoi. Tirer sur les gens, vous comprenez pas du tout. Donc, c'était très compliqué. On pouvait pas parler comme on veut, on pouvait pas sortir comme on veut, on n'était pas vraiment libre, quoi. Mis à part la politique, on pouvait pas parler de la politique, mais d'autres choses. Par exemple, moi, je suis kurde. Je sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est des kurdes. C'est une langue, en fait, c'est une culture, c'est une langue comme le français, comme l'arabe, comme n'importe quelle langue dans le monde, en fait. Sauf que j'habitais dans un pays qui était arabe, majorité arabe, quoi. Et alors que, je venais de là, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils étaient toujours en Syrie, avant quand même que la Syrie existait, le long de la Syrie, en fait. Et avec cet État qui était là depuis des années, ils ont dit, en fait, on ne va pas reconnaître les autres minorités. Les Kurdes, les Turkmènes, les Arméniens, tout ça. Donc, dans les livres, il n'y avait que des Arabes. On n'avait pas le droit d'apprendre notre langue. On n'avait pas le droit de parler notre langue dans la rue. On n'avait pas le droit de porter des prénoms kurdes. Par exemple, mon prénom sur les papiers, c'est Mustapha. C'est pas Raman. J'ai pas le droit d'avoir un prénom kurde chez moi. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on dit dictature. Donc, parce qu'on a... on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Il y a pas mal de choses qui sont interdites dans la loi, en fait, on va dire. Voilà. Et vu qu'il est là depuis des années, on ne peut pas le changer. Il n'y a pas des votes comme ici. Par exemple, ici, chaque 5 ans, on va faire des votes. Là-bas, il n'y a pas de vote. Là-bas, c'est chaque 7 ans. Et on va voter, soit il reste, soit il ne reste pas. Mais il n'y a pas d'autre président qui va se présenter. Et donc, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est toujours la même personne. Et on se dit... la Syrie, c'est 25 millions. Donc, c'est pas possible qu'il y a toujours la même personne qui est en train de présider ou de contrôler ce pays, quoi. Donc, il y a toujours des gens qui sont plus intéressants, plus intelligents, qui peuvent proposer autre chose. Enfin, si on reste toujours... c'est comme si on est à l'école. Voilà, on est en collège maintenant, vous êtes en collège. Imaginons, de primaire jusqu'au lycée, vous restez toujours avec la même prof. Ça se trouve que c'est une très bonne prof. Mais il faut voir autre chose dans la vie aussi. C'est comme ici, vous êtes dans cette ville, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut, les commerces, les restes, tout ça, mais il faut aussi voyager, aller voir autre chose, aller par exemple à Paris, à Bordeaux, aller en Italie, en Portugal, voir autre chose, autre culture, autre architecture, autre paysage, pour se cultiver, quoi, pour apprendre où on vit, parce que sur la planète, on n'est pas seul, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que votre famille est toujours en France? Oui, toute ma famille est en France. Après, quand j'ai quitté la Syrie, j'étais le seul qui est... j'étais le dernier garçon. Moi, j'ai trois frères et deux sœurs. Mes trois frères, ils n'étaient déjà pas là, en fait. Ils étaient en train de travailler à Dubaï,
en Libye, au Liban, tout ça. Et parce que pour les garçons, c'était hyper dangereux. Parce qu'on devait faire le service militaire, on devait aller se battre en fait, avec l'État. Et on n'avait pas envie de faire ça, parce qu'ils nous envoyaient dans certaines villes, parce que, imaginons, par exemple, on est là, on est à deux régions de Nièvre, et qui vont prendre des garçons d'ici, ils vont les envoyer à Strasbourg. Ils vont dire, ah bah, il y a des terroristes là-bas. Et une personne qui est là, qui a vécu toute sa vie ici, qui part à Strasbourg, il ne connaît personne. Surtout là-bas, on a une langue. Là-bas, on parle alsacien. Donc, et on a un autre accent. Donc, à la limite, on ne peut pas directement savoir, quoi. Et bon, on va dire, oui, en fait, ces gens-là, ce sont des terroristes. Il faut les tirer dessus, il faut les tuer. Ils viennent d'ailleurs. Sauf que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il nous faisait croire à quelque chose qui n'était pas du tout vrai, en fait. Même à travers les médias, à travers de la télé. La seule télé qui était autorisée en Syrie, c'était la chaîne nationale. Et la chaîne nationale, elle était contrôlée. Donc, tout ce qui s'est passé sur la télé, c'était contrôlé. Donc, c'était des messages assez précis passés par l'État, par le régime. Quoi. Et donc, c'était trop compliqué. Et j'étais un danger pour ma famille. N'importe quel jour, les militaires, ils pouvaient rentrer chez nous et m'emprisonner et après me prendre, me forcer à aller faire le service militaire. Du coup, j'ai décidé de partir. Je me suis dit, bah, je ne vais pas être un danger pour ma famille, je vais partir. Et je vais aller essayer de travailler, d'étudier pour pouvoir aider ma famille. Et quand je suis arrivé ici, donc j'ai appris la langue française. Et après, j'ai commencé à travailler directement. Je travaille dans le magasin de vente de vêtements. Et j'ai eu du coup un CDI, un contrat CDI. Donc je gagnais ma vie, j'avais un appartement, tout ça. Et là, j'ai décidé, ma famille était en danger. Ils étaient attaqués par Daesh. Là-bas. Ma ville était attaquée par Daesh. Donc, c'était très dangereux pour eux et j'ai essayé de contacter l'ambassade de la France pour pouvoir les emmener tous en France. Donc, maintenant, ils sont tous en France. Ma famille, ils sont à Paris. J'ai un frère qui est à Lyon maintenant et une soeur qui est à Strasbourg. Donc, on est tous en France maintenant. Ils sont tous en ville. Voilà. Oui. Est-ce que vous la voyez souvent, votre famille? Maintenant, pas très souvent, parce que je suis étudiant à Bordeaux et je suis étudiant en architecture. En architecture, on travaille beaucoup. Et dans mon temps libre, je fais des projections. Par exemple, là, je suis en vacances. C'est mon premier jour de vacances et je suis là. Après, c'est un choix personnel. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup mes études et les projections. Parce que c'est. Pour moi, c'est hyper important de partager avec les. Partager son histoire, partager son expérience avec les autres. Parce que c'est comme ça qu'on apprend dans la vie, quoi. C'est l'expérience, c'est les rencontres, le travail, tout ça. Donc, pour moi, c'est hyper important de venir parler devant les gens de ce qui se passe en Syrie, parce que, voilà, on est là en France, on est à peu près à 3000 km de la Syrie, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Et on dit, des fois, on dit, on s'en fiche, c'est loin, donc c'est pas hyper important. Sauf que, il y a même pas 70 ans, il y avait la guerre en France aussi. Donc voilà, il y avait beaucoup de morts, il y avait à peu près 20 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale un peu partout, quoi, dans l'Europe et en Russie. Donc ça s'est déjà arrivé en France. Donc normalement, on devait dire l'histoire ça nous sert pour arrêter tout ça. C'est pas normal qu'on va se faire massacrer, qu'on va tuer l'un et l'autre, quoi. Donc c'est important de parler que voilà, il y a la guerre là-bas pour essayer de l'arrêter. Et donc. À cause de ça, je ne vois pas beaucoup ma famille. Juste au passage, quand je passe par Paris, parce que pour venir de Bordeaux à Nevers, il faut que je passe sur Paris et redescendre, donc prendre d'autres sens. Donc quand j'ai quelques heures, je vais aller les voir, voilà, ou pendant les vacances. Mais j'habite plus avec moi. Vous avez des blessures ? Des blessures. Des blessures ? J'ai eu des blessures. J'ai eu des blessures quand j'ai traversé la frontière, mais je n'ai pas eu des blessures à cause de la guerre. Enfin, j'ai eu de la chance, vraiment. Mais j'ai vu des choses, j'ai vu des bombardements devant moi. Une fois, j'étais au lycée, j'avais 18 ans, c'était ma dernière année de lycée. C'était déjà la guerre, ça faisait déjà un an qu'il y avait la guerre, ma maison était déjà bombardée, autour de ma maison, mais pas directement. Donc j'ai dû quitter chez moi. Je suis parti dans le centre de ville, et moi j'habitais dans les banlieues. C'est comme ici et Nevers, on va dire, même un peu plus proche. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir mes amis. Mes meilleurs amis, ils habitaient encore dans le quartier où j'habitais avant.
Je me suis dit, je vais aller les voir. Donc, je prends les minibus. Chez nous, c'est les minibus. Il n'y a pas de train, il n'y a pas beaucoup de train. Le train, c'est juste pour aller dans une autre ville. J'ai pris le minibus pour aller et donc, je devais passer des barrières de contrôle. Par exemple, de contrôle de l'État. Ils demandaient notre carte d'identité, tout ça. Et regarder si on a fait des choses, si on est demandé pour les services militaires, si on a fait des manifs, tout ça. Et après, il fallait passer celui des rebelles. Et après, celui d'autres groupes extrêmes, on va dire. C'était compliqué. Mais bref, je suis arrivé, j'ai vu mes amis, on était dehors. Il faisait hyper beau. C'était mois d'avril. Il y avait le soleil et tout, j'étais avec mes amis dehors, avec ses cousins et tout ça. Et d'un coup, on a vu une grande missile qui tombait vraiment au centre de la ville. Première réflexion, parce qu'on avait pris l'habitude. On prend toujours l'habitude quand il y a des bombardements, qu'il y a du son, parce que le son, il est très très fort. Première réflexion, on se cachait directement, parce que d'abord, on voit le fumée, après il y a le son, parce que le son, physiquement, en physique, le son arrive après la lumière, c'est ce qu'on voit en fait, l'image. Et ensuite, on devait directement se cacher, parce qu'il y a toujours des choses qui s'envolent. Des pièces métalliques, de missiles qui étaient explosées, des petites pièces de pierre, tout ça. Et donc, on devait absolument se cacher derrière des murs, tout ça. Et ensuite, deuxième réflexion, il fallait aller dans le centre où il y avait le bombardement pour aider les gens. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui meurent dans les guerres, c'est des gens qui sont en dessous des maisons qui sont cassées, qui sont bombardées. Donc on part, et là je vois l'odeur de sang, l'odeur de vraiment de la mort, on va dire. Il sentait très bizarre. Et là j'ai vu des gens qui sortaient des personnes blessées. Je me souviens, il y avait une fille à peu près 14 ans. Elle était blessée partout, il y avait du sang et tout ça, donc c'était horrible. Et là je me suis dit, c'était quelque chose que je ne voulais pas voir. Et je me suis dit, heureusement que ce n'est pas ma soeur ou quelqu'un de ma famille. Et là, je me suis dit, il faut qu'on part. On est parti dans les banlieues à Kobani, qui est vraiment au nord, sur la frontière de la Turquie. Et donc, j'ai eu de la chance que j'ai jamais eu des bombardements qui sont tombés sur ma maison, en fait. Voilà. Donc, bien sûr, à cause de la guerre, j'en ai pas. Mais quand j'ai traversé la frontière, c'était hyper... c'est très dangereux. Les militaires, ils nous couraient dessus, derrière nous et tout ça. Donc on devait se cacher, on sautait dans les fossés pour se cacher et tout ça. Donc il y avait des pierres, il y avait des plantes, tout ça. Donc j'avais des blessures partout. J'avais plus de basket, donc, parce qu'on courait. Mon short était tout déchiré et tout ça. Donc voilà, mais maintenant j'en ai plus. D'autres questions ? Combien de pays avez-vous traversé? Deux. Donc la Syrie, la Turquie et ensuite la France. Moi c'était différent. Parce que la plupart des gens, des migrants, on dit migrants ou des réfugiés, ils arrivent en bateau. Et par exemple, on va parler des gens qui viennent de l'Afrique. Ça veut dire les pays maghrébins, l'Afrique, tout ça. Oh, c'est très compliqué. Déjà, par exemple, on va dire ils viennent de l'Afrique du Centre. Ils doivent traverser certains pays africains, aller par exemple en Libye, et ensuite en Libye on prend des bateaux. Ce bateau-là, il est hyper dangereux, il est payant, c'est pas gratuit. On paye très très cher pour arriver en Europe, ça coûte hyper cher. On va payer là-bas le coût de bateau, on est par exemple 200 ou 300 personnes dans un bateau qui fonctionne pas très bien, qui est déjà abandonné depuis longtemps. C'est un réseau en fait, ça s'appelle des passeurs. Les passeurs, c'est des gens qui profitent de la situation des autres. Voilà. C'est des commerçants de guerre. Comme les gens qui vendent des armes. Il y a des États qui vendent des armes. Donc, si on commerce, c'est des intérêts, c'est de l'argent. Et il y a aussi des passeurs. Donc, c'est des commerçants des humains, on va dire. Et on va payer de l'argent pour ces passeurs. Ils vont nous mettre, par exemple, 300 ou 400, 200 ou 300 personnes dans un bateau. Et ils vont envoyer ce bateau de Libye jusqu'à l'Italie. Donc, ça se trompe qu'on ça va s'arrêter. Au milieu de la mer. Si ça s'arrête, tout le monde est mort. S'il y a juste s'il y a des gens qui bougent, ou la marée, on dit, je sais pas, le bateau coule, quoi. C'est hyper dangereux. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont morts dans la mer. Ensuite, il arrive en Italie. L'Italie, c'est un pays qui est pas très... Il n'y a pas beaucoup de travail là-bas. C'est un pays qui est assez pauvre, on va dire.
Et donc de là-bas, ils passent en France. Et les gens qui veulent rester en France, ils restent. Et ensuite, il y a des gens qui veulent partir, par exemple, en Angleterre. Ils vont à Nord-Pas-de-Calais, on s'est traversé. On va aller partir en Italie, enfin en Allemagne, en Norvège, tout ça. Donc il y a certains, par exemple, aussi, des Syriens, qui vont aller en Turquie. De la Turquie, on va prendre un bateau jusqu'à la Grèce. De la Grèce, ils vont traverser les pays de l'Est et tout ça, jusqu'à Autriche, l'Allemagne, tout ça. Donc ils traversent 5-6 pays comme ça, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai eu un visa, donc, j'ai eu un visa de consulat de la France, et ensuite j'ai pris l'avion, et de la Turquie, je suis venu directement en France. J'ai eu vraiment de la chance, voilà. Oui ? Combien de kilomètres avez-vous fait ? De kilomètres à pied ? Ou tout, en total ? En tout. Je pense qu'à peu près à 3200, 300, ouais, à peu près. Plus de 3000. Parce qu'entre la Syrie et la Turquie, c'est très loin. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je vais faire un petit dessin. Je ne sais pas, il y a des... C'est là ? Je ne suis pas hyper fort en dessin, hein, même si je suis en architecture. Là, c'est la Syrie, on va dire. Voilà. Ça, c'est la Syrie. Là, c'est la Turquie, donc. Là, c'est la Syrie. Là, c'est la Turquie. Et ensuite, il y a là, ici, il y a la Grèce, tout ça. Non, je ne vais pas toucher ça. Et ensuite, Grèce, Italie, tout ça. Et ensuite, c'est la France. Ici, c'est la France. Donc moi, j'ai dû faire ça. De la Syrie jusqu'à la Turquie. Ensuite, j'ai pris l'avion jusqu'à la France. Donc c'est hyper loin. C'est un tour, quoi. Mais bon, vu que c'était en avion, là, c'était ça. Voilà. Oui. En fait, dans ma famille, ma propre famille, mon père, il croyait au rien. Il était athée. Voilà. Ma mère, elle était croyante, elle avait la religion musulmane, parce que là-bas, la majorité, c'est des musulmans, en fait. Mais il y a aussi des chrétiens, des arméniens, de tout, en fait, des athées, vraiment de tout. Mais on était dans un, par exemple, l'école, il y avait des cours de religion. Donc on était quand même obligé d'assister aux cours de religion, même si on n'est pas religieux. Et quand j'étais au collège, j'avais vraiment votre âge. J'avais à peu près, 12 ou 13 ans à peu près, ou 11 ans. Et je me souviens, quand on sort avec des copains, on aimerait faire toujours pareil. Et j'avais des amis qui partaient en mosquée. Donc une fois, je suis parti avec mes amis en mosquée. Je ne savais pas faire le prière. Donc j'ai appris en mosquée et tout ça. Et je suis rentré chez moi. J'ai dit ça à ma soeur, quand j'ai fait le prière, tout ça. Ma soeur, elle a dit à mon père. Donc mon père, il m'a appelé, il m'a dit, pourquoi t'es parti au mosquée? Je dis, parce qu'il faut faire la prière. Il a dit, pourquoi? Et je dis, parce qu'il faut le faire. Je n'avais pas une autre réponse. Il a dit, mais pourquoi il faut faire? Je ne savais pas répondre. Une ou 12 ans ou 13 ans, on ne sait pas qu'est-ce que c'est encore en religion, ou qu'est-ce que c'est, pourquoi on fait ça et tout. Surtout, moi, je cherche toujours à beaucoup chercher, en fait. Enfin, ma famille, on m'a appris ça. Je ne peux pas faire quelque chose si je ne comprends pas pourquoi je le fais. Donc là, je ne comprenais pas. Enfin, j'apprenais encore comment il faut réfléchir, comment il faut apprendre des choses. Quoi. Donc il m'a dit, c'est interdit, tu ne vas jamais. Un jour, quand tu comprendras, quand tu auras par exemple 18 ans, tu seras mature, quand tu comprendras pourquoi il faut faire ça, tu le feras. Mais maintenant, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de le faire. Et franchement, c'était très bien pour moi. Parce que... On ne peut pas croire à quelque chose parce que, imaginons, enfin, je ne sais pas, on vous apprend quelque chose, que ce soit dans votre famille ou dans l'école, toute la vie, on va dire, ça c'est comme ça. Et quand on va voyager, on va ailleurs, ou dans une autre ville, et qu'on voit c'est autrement, ça va nous choquer, on va dire, non, c'est pas normal, enfin, il se passe quelque chose qui est bizarre. Parce qu'on a appris, on a grandi avec ce truc, en fait, on a grandi avec cette pensée dans notre tête. Et du coup, on ne peut pas l'effacer. Donc ça devient quelque chose qui est un peu dans notre caractère, sans forcément, quoi, même si ce n'est pas vrai. Et donc, moi je pense, c'est mon avis après, qu'il faut être vraiment mature, de comprendre pourquoi on fait certaines choses, pour commencer de faire. Donc moi, j'étais un peu obligé, mais dans ma tête, je disais, en fait, certaines choses, il faut le faire, par exemple, comme les cours de religion, il fallait que je fasse pour valider mes années et tout ça, mais je n'étais pas forcément pour, voilà. Après, quand j'ai grandi, quand je suis parti en Turquie,
après l'histoire de Visa et tout ça, j'ai commencé de croire qu'il y a un Dieu. Je ne sais pas, c'est lui. Mais sans forcément penser à la religion. Parce que je me dis, la religion, ça, moi, je n'aime pas trop des choses qui sont obligatoires. On ne peut pas obliger l'être humain, en fait. On doit toujours avoir le choix de penser, de faire ce qu'on veut et tout ça, d'être libre, quoi. C'est hyper important. Et dans le mot, la religion, c'est comme la philosophie. Voilà, la philosophie, c'est... Si on n'est pas libre, on ne peut pas croire, on ne peut pas être sûr de ce qu'on fait, en fait. Par exemple, dans n'importe quelle religion, que ce soit musulman ou chrétien, des fois, quand on pose des questions à quelqu'un qui croit à cette religion depuis très très longtemps, depuis son enfance, on peut le perturber. Quand on pose certaines questions, il ne peut pas répondre. Et s'il ne peut pas répondre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Il faut toujours comprendre pourquoi on fait ça. Et donc moi, je ne peux pas. Après, voilà, on peut avoir des avis différents, on peut être pour, on peut être d'accord et pas être d'accord. Et heureusement, parce que si on est tous similaires, on est tous pareils, on va s'ennuyer, quoi. Non ? Imaginons qu'on fait tous architecture. Donc, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de prof, ça va être bizarre. On ne va pas faire juste des maisons dans la vie. D'autres questions ? Oui ? Est-ce que vous avez toujours des contacts avec des personnes qui sont en Syrie ? Alors oui, moi je suis sur Facebook, donc je suis beaucoup sur ce qui se passe là-bas à travers des journalistes qui sont encore sur place, des amis qui sont sur place, mais de contact direct, là ça fait 5 ans que je suis en France. Donc avec le temps, j'ai plus beaucoup de contacts avec mes amis. J'envoie très rarement, quand c'est la fête, je leur envoie un petit message, quand c'est l'anniversaire d'un ami à moi, je lui envoie un message, mais avec le temps, il n'y a plus grand chose à parler, quoi. Donc, c'est vraiment de loin, quoi. Maintenant, j'ai fait mes amis ici, je suis ici, ma famille, ils sont là, donc voilà. Oui. Vous avez mis combien de temps pour venir ici ? J'ai mis à peu près 8 mois. Parce que j'ai quitté la Syrie, c'était en juillet 2013. Et je suis arrivé en France, c'était fin janvier 2014. Donc, à peu près 7 mois, 8 mois. En attendant, j'étais en Turquie, donc je travaillais, en attendant d'avoir mon visa. Quand j'ai eu mon visa, je suis arrivé directement. Voilà. Oui. Parce que moi, c'est les dernières heures de Daesh. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que je ressens ? En fait, pour moi, Daesh, c'est quelque chose, donc je suis très content que ça arrivera un jour, que ce sera le dernier jour de Daesh. C'est pas encore le cas. Ça disparaît et ça revient... Mais il y a encore, pour moi, quelque chose d'encore plus dangereux, qui est l'État syrien, le dictature. Parce que pour moi, c'est le dictature qui crée ces genres de groupes qui sont extrêmes. Je ne sais pas, par exemple, en Syrie, avant la guerre, avant que ça commence, on n'avait pas ces genres de gens extrêmes qui obligeaient des gens à faire la religion dans la rue, de mettre le voile. Par exemple, le voile, ce n'était pas quelque chose obligatoire en Syrie. Et des gens qui se cachent, le visage, tout ça, c'était interdit. En Syrie, par exemple. Et du coup, c'était pas quelque chose d'obligatoire, malgré tout ça. Et après, quand la guerre a commencé, il y a des gens, en fait, il y a un État, c'est comme si on a un groupe des enfants de 5-6 ans, et un grand personne qui est là pour les apprendre des choses. Et c'est facile pour cette personne qui est grande, c'est facile de faire un lavage de cerveau pour les enfants. On peut dire tout et n'importe quoi, ils peuvent croire parce qu'ils ne connaissent rien encore. Ils ne sont pas encore capables de réfléchir. On va dire à l'échelle de l'État, c'est à peu près pareil. Un État qui est là depuis 45 ans. Ils savent très bien comment ce pays fonctionne. Il a beaucoup de services de renseignement, de militaires. Donc ils peuvent tout faire pour faire croire aux gens que oui, c'est des terroristes, oui, c'est des gens méchants et tout ça. Donc, il a ouvert la frontière entre la Turquie et la Syrie, c'était ouvert devant tout le monde. Donc, il y avait des gens étrangers qui venaient de partout. Par exemple, Daesh, ce que j'étais en train de lire dans ce livre, Daesh, la majorité de Daesh, c'est des gens étrangers qui ne viennent pas de la Syrie. Qui viennent, par exemple, de pays de Afghanistan, Tchétchénie, Maghreb, l'Europe, Turquie, Arabie Saoudite, vraiment de partout. Vraiment de partout. Donc, ils viennent là. Et c'est des gens qui ne réfléchissent pas trop. Hein. C'est pas qu'ils sont dans la religion ou pas. C'est juste des gens qui ne réfléchissent pas. Parce que dans aucune religion, c'est écrit qu'il faut tuer les gens. C'est pas logique, quoi. C'est pas écrit du tout. Enfin, moi, de la religion musulmane, je connais très bien. Et j'ai lu aussi sur la religion chrétienne.
Et il y a certains textes qui disent bah, il faut tuer, mais dans le contexte de se protéger. Quand il y a quelqu'un qui va venir à nous attaquer ou nous tuer dans la guerre, bah, il faut se protéger. Donc c'est comme ça. Mais on ne dit jamais, dans n'importe quelle religion, qu'il faut aller tuer les gens. C'est pas logique. Pourquoi ? Et donc ces gens, ils viennent, c'est des gens qui ne sont pas très bien cultivés, qui ne comprennent pas trop, qui ne sont pas très bien... La plupart, ils n'ont pas continué leurs études. Et c'est des gens qui croient juste à des paroles des imams. Les imams, c'est des gens bah, comme nous. On fait tous des erreurs. Donc c'est des gens qui... Certains, ils vont passer certains messages précis. On va dire, oui, par exemple, en France... On va dire à certaines personnes, ah oui, c'est la guerre là-bas, il faut aller aider nos frères et tout ça. Donc, ils vont partir en Syrie, ils ne connaissent pas les Syriens, ils ne connaissent pas comment ça se passe là-bas, ni la culture syrienne, rien de tout. Ni la géographie là-bas. Et ils vont dire, bah oui, il faut aller dans cette ville, et il y a des gens qui sont méchants, qui n'aiment pas les musulmans, en fait. Sauf que ce n'est pas vrai. Donc, ils vont les envoyer dans un village. C'était le cas de ma ville qui s'appelle Kobani, où il y a les Kurdes. Donc il me disait, ah oui, les Kurdes, ils ne croient pas en Dieu, il faut les tuer parce qu'ils sont un danger et tout ça. Donc ils rentrent dans cette ville, ils massacrent des gens, sans aucune raison. Mais parce qu'ils ont cru que ces gens-là qui sont dans ce village, c'est des méchants qui veulent du mal pour aux religions, pour des personnes qui sont au port des musulmans. Donc ils vont aller les tuer sans aucune raison, sans même comprendre pourquoi ils sont là, ces gens-là, en fait. Donc l'État, il a beaucoup joué sur ça. Il a fait rentrer des extrêmes dans Syrie, des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et pour moi, je serais vraiment content quand on va changer ce président-là, en fait. Cet État-là. Donc quand on serait libre de faire, par exemple, quand on fera les votes en Syrie, qu'on pourra choisir, qu'on aura la liberté de choisir un président qui pourra bah, être là pour aider le peuple, quoi. Pas pour le pouvoir. Mais Daesh, c'est un petit truc. Devant l'État, devant d'autres groupes extrêmes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de groupes maintenant en Syrie qui sont beaucoup plus dangereux que Daesh. Mais c'est juste qu'on sur la télé, on n'entend que Daesh, en fait. C'est ça le problème. Surtout en France. On a vu des attentats qui sont faits par Daesh, mais en Syrie, il y a des gens qui sont pires, quoi. Par exemple, je ne sais pas si vous avez appris sur la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des massacres contre les Juifs, il y a eu des massacres contre beaucoup de gens. En Syrie, maintenant, en ce moment, on est en 2019, il y a des prisons où on fait des massacres contre des gens comme les camps de concentration. Il y en a encore en Syrie maintenant, en 2019. Donc ça, c'est beaucoup plus dangereux que le codage, quoi. On tue des milliers de personnes par jour, quoi, ou par mois. Donc... pour moi, la fin de dictature, c'est la fin aussi des groupes extrêmes, de Daesh, tout ça. Voilà. Oui. Avez-vous été en prison, si oui, pourquoi ? J'étais en prison deux fois. Bah parce que, la première fois, parce que j'étais demandé pour le service militaire, donc on m'a arrêté. Et bah, la Syrie, c'est un pays qui marche avec l'argent. C'est corrompu. Par exemple, vous êtes là, vous allez finir le collège, le lycée, et vous allez vous inscrire... Enfin, par exemple, dans une école d'architecture ou médecine ou ce que vous voulez en fait, bah, là-bas, il faut payer de l'argent. Il faut toujours payer de l'argent pour des fonctionnaires, pour des gens qui travaillent dans l'État, pour avoir ce qu'on veut en fait, même pour travailler. Et donc, j'ai eu de la chance, mon père il a payé un peu d'argent pour me faire sortir. Et j'étais emprisonné une autre fois bah, parce qu'une fois, on a eu un petit problème, j'étais avec des amis au lycée, c'était pendant la guerre. Mais encore, je croyais que les policiers, c'est des gens qui sont bien, enfin, dans mon pays, hein, les militaires, c'est des gens qui sont bien. Donc, il y avait un monsieur qui était très grand, qui est venu frapper un ami à moi. À cette époque, on avait 16 ans. Et moi, j'étais très têtu, je voulais aller voir la poste de police, la commissariat, pour porter plainte contre cette personne. Donc, je suis parti porter plainte, je dis, oui, il y a un grand monsieur qui avait à peu près 40 ans, qui est venu frapper un ami à moi, Enfin, on est petit, quoi, on est encore des étudiants. Et donc, on est parti. Il y a une voiture qui est venue avec moi, des policiers, pour voir. Et bah, cette personne-là, elle travaille avec la police. On appelait des milices, on va dire. Ils travaillaient avec la police, ils étaient payés par l'État. Donc, c'est ce que la police elle a fait. Ils m'ont emprisonné parce qu'ils ont mis la faute sur moi, alors que moi, je n'ai rien à voir dans l'histoire.
Et donc, encore une fois, mon frère, il était avocat. Donc, mon frère, il est venu, il a payé de l'argent pour faire sortir. Et voilà, les deux fois que j'étais emprisonné. Mais pas beaucoup, en fait. Une fois, c'était quelques heures, et une autre fois, c'était à peu près 2 jours. Voilà. Vous avez fait quoi, votre arrivée en France? Alors, quand je suis arrivé, j'ai dormi. J'étais fatigué, donc je travaillais en Turquie, je travaillais beaucoup, je travaillais 16 heures par jour. Et donc, j'avais mon frère qui était déjà là. Donc, on a fait le tour de Paris, on a visité le Tour Eiffel, Triomphe, tout ça. Et ensuite, 2 jours plus tard, directement, j'ai commencé à étudier. Je partais dans une... Vous êtes déjà été à Paris? Qui était déjà à Paris? Oh, non, beaucoup quand même. Vous connaissez Centre Pompidou? Oui. Bah, je partais toujours là-bas, tous les jours, pendant 9 mois, pour étudier le français. Il y avait des programmes sur l'ordinateur et tout ça. Donc, j'apprenais le français. Et... parce que c'était hyper important. Je suis arrivé ici, je ne parlais pas du tout. Hein. Je parlais même bonjour, je ne savais pas. Enfin, je ne connaissais pas du tout. Et bah, quand je partais, par exemple, à la boulangerie ou acheter quelque chose au supermarché, je ne comprenais rien du tout. Je regardais juste le produit et le prix, le chiffre. Et c'est tout. Je disais juste bonjour, au revoir. C'est tout. Après, je me suis dit, bah, pour faire des amis, pour étudier, pour travailler, il fallait apprendre la langue, quoi. Il faut... parler avec des autres. Et donc, bah voilà, j'ai appris, j'ai commencé à apprendre. Au début, j'étais avec que des étrangers, des gens qui viennent de l'Espagne, du Chili, de Colombie, de la Russie, de vraiment partout dans le monde, dans les cours de français. Parce que je faisais des cours de français aussi. Et ensuite, bah, je me suis dit, il faut que je sorte avec des Français, quoi. Il faut que je commence à sortir avec des Français pour apprendre. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Il faut parler avec des gens, quoi. Et donc, j'ai commencé des formations. Avec des Français, j'étais tout le temps avec eux. Et donc on m'appelait messieurs, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je posais toujours cette question, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprenais rien du tout. Et donc j'ai appris le français, et ensuite j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans la vente de vêtements, pareil, j'étais tout le temps avec les clients, des fois bah, ils venaient me voir, je comprenais rien du tout. Je me rappelle, il y a un fille qui est venu me voir, il m'a dit, messieurs, est-ce que vous avez des salopettes? Vous savez qu'est-ce que c'est une salopette ou quoi? Tout le monde? Et donc, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Et je dis, oui, je suis désolé, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ça? Dans ma tête, je me suis dit, si je vais aller lui dire, ah, oh, en fait, je ne sais pas, aller voir mon collègue, je me suis dit, je vais jamais apprendre. Donc, il faut que j'apprenne. Et je dis, je suis désolé, je ne comprends pas, est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que c'est? Et donc, elle m'a dit, oui, c'est un pantalon avec un truc qui vient sur les épaules. Et du coup, ça, je voyais, on l'avait au magasin. Du coup, je suis parti lui montrer et elle l'a pris. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais oublié ce mot-là, salopette. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai travaillé tout ça et je me suis dit, bon, là, maintenant, je parle très bien le français pour commencer à étudier. J'ai beaucoup travaillé, j'ai mis tout mon argent à côté parce que quand je suis arrivé, je ne touchais rien du tout. Je ne sais pas si vous savez ça, mais à la télé, on dit, ah, les migrants, ils viennent, ils touchent de l'argent, ils volent notre argent, ils ont des très bons logements et tout ça. Moi, quand je suis arrivé ici, je n'avais pas de logement. Ni logement, ni l'argent, ni rien du tout. J'avais de l'argent que j'avais ramené de la Turquie, vu que je travaillais là-bas. Et j'habitais avec mon frère, qui payait son loyer trop cher. Donc, on était dans un studio tous ensemble. Et ensuite, quand j'ai travaillé, j'ai mis beaucoup d'argent à côté pour commencer à faire mes études. Et après, j'ai commencé l'école d'architecture. Voilà. Une fois oui, bah, quand j'étais emprisonné, une fois oui. C'est horrible quoi. Enfin, qu'on se fait, parce que même là-bas, d'ailleurs, à l'école, au collège, en école primaire, on se fait frapper. Les profs, ils peuvent frapper des étudiants. Ils ont le droit. Enfin, vous avez la chance, vous êtes en France. Vraiment, hein, c'est là-bas. Je me souviens, une fois j'étais à l'école primaire, la dernière année de l'école primaire. Donc j'avais à peu près 10 ans, on va dire. Ouais. Et chez nous, chaque matin, chaque 8 heures de matin, on fait quelque chose qui s'appelle la salutation de président et de pays. Donc on fait la chanson de pays, comme la Marseillaise, chaque matin. Donc on se met comme ça tous, enfin on rend chaque place, on se met comme ça, on ne doit pas bouger. Vraiment pas du tout. On ne peut même pas faire ça. Pas le droit.
Et donc, après, on fait la chanson, on met la main derrière, celui-là comme ça, et on dit la chanson de pays, quoi. Et la salutation de président et de parti politique de ce président-là. Et je me souviens, on était tous comme ça, on était en train de dire le truc. Il y avait un camarade, un ami à moi, qui a parlé. Et le prof, il a fait sortir devant toutes les classes. Nous, on était dans une grande école, on était 500 personnes dans l'école. Donc, il a sorti devant tout le monde et il a frappé, vraiment, comme jamais. Je me suis dit, il va mourir, quoi. Comme ça, sans aucun... juste parce qu'il a parlé. Enfin, on est des enfants, quoi. Donc, 10 ans, on ne comprend pas encore. Voilà. Donc, l'école, c'était un peu la torture aussi. Et après, oui, en prison. Moi, j'ai eu de la chance, je ne suis pas resté beaucoup, je suis sorti. Quelques gifles, quelques trucs. Voilà, c'est pas grand chose. Mais il y a des gens qui se font. Qui meurent à cause de torture. Quoi. Donc, voilà. Enfin, il y en a beaucoup. D'autres questions? De partir en Syrie jusqu'en Turquie, vous avez pris quoi dans votre sac? J'avais un grand sac comme ça. Et quand je suis. En fait, c'était pas très bien expliqué parce qu'on a coupé. La première fois, je suis parti avec mon frère. Donc, on est parti en voiture. Moi, j'avais pas mon passeport. Pour avoir un passeport, il fallait faire le service militaire d'abord. Donc, j'avais pas fait le service militaire, j'avais pas envie, j'avais pas mon passeport. On est parti, on a tenté, je me suis dit, peut-être qu'on pourra passer. Donc, on est passé par la frontière, par la douane, tout ça. On m'a dit, t'as pas de passeport, tu passes pas. Moi, juste avant, mon frère était pas d'accord, mon père n'était pas d'accord que je parte. Du coup, j'ai un peu forcé, je dis non, j'ai décidé, j'avais 19 ans à cette époque-là. Je dis, j'ai envie de partir, donc je partirai, que tu sois d'accord ou pas, je vais partir, parce que je ne peux pas rester ici. Parce que je savais que c'était un danger, et que je ne pouvais pas faire mes études, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais rien faire. J'étais juste chez moi, il n'y avait même pas Internet, donc même mon portable, je ne pouvais pas l'utiliser. Pas d'électricité, pas d'Internet. Rien, il n'y avait rien de tout. Donc je dis, je vais partir, je vais aller travailler comme tout le monde, comme mes amis sont là-bas, donc... Et ensuite, je vais aller étudier, quoi. Et donc, il n'était pas trop d'accord. Je suis parti, j'ai acheté un sac et j'ai posé mon sac dans le salon. Et j'ai commencé à mettre mes affaires dedans. Je dis, soit tu me laisses partir et on va se parler tout ça, soit je vais partir, on ne va jamais se parler. Sans ton accord, on ne va jamais se parler. Et là, j'étais sûr, j'étais mature déjà, donc j'ai déjà beaucoup travaillé. Vous avez quel âge? 12 ans. Ouais. Bon, vous avez 10 ans? Il n'y a pas de 10 ans? Non? Ben moi, à l'âge de 10 ans, vraiment, à ton âge, j'ai commencé à travailler dans les usines. Donc, je finissais l'école. Nous, notre école, on finissait à midi et demi. Midi et demi ou 13 heures. Donc, je finissais l'école. Ensuite, je partais travailler pour aider ma famille. Donc, pour leur donner de l'argent. Mon père, il gagnait pas trop. Donc, je savais déjà qu'est-ce que ça veut dire être responsable de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire l'argent, le valeur de l'argent, le travail, les études et tout ça. Donc quand j'ai dit j'ai envie de partir, j'étais sûr de moi. Et il a dit ok, d'accord, tu partiras avec ton frère. Et donc quand je suis parti avec mon frère, j'ai pas pu passer la frontière. Et là je me suis dit si je repars chez moi, je vais jamais pouvoir repartir. Donc je suis pas parti. Je suis parti dans un village à côté voir un ami là-bas. Et le jour d'après, j'ai réessayé. Et il m'a dit, quand tu passes la frontière, tu ne dois pas avoir un sac avec toi. C'était un sac à peu près 15 kg. Donc, ce n'était pas possible de courir avec. Donc, je l'ai laissé chez mon cousin qui habitait aussi dans ce voyage-là, qui me l'a envoyé après. Et je suis parti avec un petit sac comme ça. Et il y avait un garçon avec moi, on était 5 personnes. 5 garçons. Il y avait un garçon avec moi qui avait à peu près 15 ans, avec un grand sac comme ça aussi, tu vois. Et on a commencé de courir et tout, c'était pas possible. On a dû lui aider pour porter son sac. Parce qu'on devait vraiment courir sans arrêt. Donc chaque 2-3 minutes, chaque 5 minutes, il y avait quelqu'un qui portait le sac pour courir, je crois. C'était très dangereux. On ne pouvait pas avoir du quoi avec nous. Mais les gens qui prennent des bateaux, ils prennent vraiment le minimum. Ils prennent un petit sacoche où ils mettent leurs papiers, les papiers dans un sachet plastique fermé. Parce que si le bateau... cool, ou si on va nager, parce que le bateau il n'arrive jamais vers la plage, il faut toujours nager un peu en fait. Et donc on a un petit sachet où il faut mettre le portable, les papiers, tout ça, un t-shirt, un pantalon, ça c'est le maximum et c'est tout. Il faut pas avoir beaucoup d'affaires, quoi. Donc voilà, il faut tout oublier, il faut tout jeter, vraiment tout oublier.
quand on vient, les migrants ou les réfugiés qui arrivent en Europe, c'est comme si un enfant qui vient de naître, en fait, ils ne connaissent rien, ils ne parlent pas la langue, il n'a pas des amis, il n'a pas sa famille ici, il n'a pas ses affaires, il a vraiment zéro. Il commence de zéro, comme vous. Enfin, il faut qu'il apprenne la langue, il faut qu'il cherche à s'intégrer dans la société, faire des amis, c'est très compliqué. Hein. C'est... Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé ça. Imaginons, enfin, c'est horrible, mais ça peut arriver. Imaginons qu'on va, je sais pas, demain il y a un truc ici, inondation de la fleuve ou une guerre, j'espère que ça arrivera jamais, et que vous serez obligé de partir d'ici. Vous n'êtes jamais, par exemple, à Paris. Imaginons qu'on vient de Paris, vous ne pouvez pas partir, vous allez partir en Italie. L'Italie, c'est pas très loin. Mais bon, vous arrivez en Italie, vous ne parlez pas italien, vous ne connaissez rien là-bas, vraiment rien. Et donc, vous devez apprendre l'italien pour aller à l'école, au collège, pour continuer vos études. Vous devez parler italien pour faire des amis, parce que vous êtes dans une classe, il n'y a aucun français, il n'y a que des italiens. Donc, vous ne comprenez rien du tout. Donc, il faut absolument apprendre la langue pour faire des amis, pour comprendre, pour faire des cours. Enfin, voilà, c'est compliqué, quoi. Ensuite, pour acheter, pour manger, pour parler, quoi. C'est minimum. Et ça arrive, des gens qui, je sais pas si vous êtes en France, mais je sais pas si vous avez déjà eu des réflexions un peu fermées, un peu bizarres, un peu racistes, mais imaginons, vous êtes en Italie, dans une classe, quoi, avec des Italiens, et il y a un Italien qui dit « Ah oui, j'aime pas les Français. » Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ça m'était déjà arrivé, hein, ça m'était déjà arrivé en Syrie et en France. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire pourquoi il dit ça, en fait. Je suis français, c'est quoi le problème? Enfin, je suis comme vous, quoi. Italien, français, qu'est-ce qui change? Pour vous, qu'est-ce qui change entre ces deux gens-là? C'est juste la langue, non? Mais il n'y a rien qui change. On a des oreilles, deux nez, un nez, deux yeux. Enfin, vous voyez, je suis comme vous, quoi. Donc, il n'y a rien qui change, en fait. Et on se dit, oui, pourquoi il me dit ça? Je mange comme je fais du mal à personne, je suis là comme à l'école, j'ai envie de continuer mes études, je gêne personne, je n'ai pas pris la place de quelqu'un, j'ai mon logement, je paye mon loyer, je fais tout seul. Quoi. Donc, je ne suis pas comme si j'étais une invitée chez quelqu'un pendant des années et des années, et je suis là en train de manger leur bouffe, de prendre leur argent, ce n'est pas du tout le cas en fait. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai travaillé, comme tout le monde, comme des Français, voilà. Et donc, on ne comprend pas pourquoi il me dit ça. Pourquoi il n'aime pas les Syriens, ou les Arabes, ou je ne sais pas, les Africains, ou les Asiates. Parce qu'en France, il y a toutes les nationalités. Et donc, depuis toujours, je ne comprenais pas. Mais après, avec le temps, ils comprennent que je suis comme eux, que je m'intéresse au sport, je fais du sport, et je parle français comme eux. Je suis étudiant comme eux, donc là on commence de parler, de sortir, en bar, tout ça, donc là c'est important pour vous. Mais on commence de faire des choses, des activités ensemble, et on commence de faire des liens entre nous, et on devient des amis. C'est comme ça. Mais il ne faut jamais lâcher l'affaire, il ne faut jamais dire, ils m'ont dit qu'ils n'aiment pas les Français, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre, on est bizarre. Non, on n'est pas bizarre en fait, c'est eux qui sont bizarres. La personne qui vous dit oui, ah oui, lui il est moche, lui il est grand, lui il est petit, il est mince, il est gros, il est je sais pas quoi. Il faut jamais. Enfin, ça arrive. Hein. Moi j'étais comme vous. Au collège, il y a tous les jugements en fait. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais hyper grand. J'étais le plus grand dans l'école, vraiment. J'étais tout le temps le derrière, le dernier quoi. Et donc, il y a des gens qui se moquent. Ah oui, il est hyper grand. Et je m'en fiche. Je suis grand, c'est comme ça, c'est bien. Mais maintenant, bon, je ne suis pas très grand, quoi, donc, finalement. Mais c'est comme ça, donc je ne peux rien changer. Soit il accepte, c'est très bien, on devient des amis, soit il n'accepte pas, tant pis pour lui. Dans une classe, on est là, vous êtes, je sais pas, 15, 20 personnes. Dans mes classes, on était à peu près 30 personnes. Est-ce que je suis obligé de parler avec les 30 personnes? Non. Est-ce que je suis obligé d'être ami avec les 30 personnes? Non plus. Là, par exemple, je suis en France. En France, on est à peu près quoi, 65 millions? Est-ce que je suis obligé de parler avec tous les Français? Je serai jamais d'accord avec tous les Français, ni eux non plus. Donc, si je fais quelques amis, c'est déjà très bien, voilà. Et je fais ma vie. Et tout le monde peut faire sa vie, en fait. Voilà. D'autres questions? Oui. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir pu, entre guillemets, sauver de la vie de votre famille? Oui, bien sûr.
Au début, quand je suis arrivé, c'était hyper compliqué. Le seul moyen pour savoir comment ça se passe en Syrie, c'était mon portable. Donc chaque matin que je me lève ou avant que je dors, je regardais, oui, qu'est-ce qui se passe là-bas, est-ce que j'ai reçu un message de ma famille, est-ce que tout va bien. Donc c'était hyper stressant, parce que bah, en fait, je n'étais pas en voyage. En gros, bah, des fois, je ne sais pas si vous avez eu de la chance de voyager, mais des fois, on va dire, bah, pendant les vacances, on va voyager, allez, en Italie, Portugal, à la plage, tout ça. Sauf que moi, c'était forcé, donc je n'avais pas le choix, j'ai pas choisi partir de chez moi comme ça. Je voulais jamais partir, en fait. Je voulais partir quand je finis mes études et aller faire un doctorat ou un master ou un truc comme ça en Europe et après revenir chez moi travailler, quoi. J'ai jamais décidé de partir, de quitter chez moi, parce que j'avais tout. Mais j'aimais toujours voyager. Mais sauf que cette fois-ci, c'était obligé. Par exemple, là, je suis en France, j'ai pas le droit de rentrer chez moi. J'ai pas le droit d'aller chez moi, c'est interdit, quoi, pour moi. Et quand je rentre là-bas, soit je vais me faire emprisonner, soit ils vont me tuer, quoi. Parce que bah, je ne suis pas d'accord avec l'État. Je fais mon film pour parler de la guerre en Syrie. Là-bas, c'est interdit de parler de ça. Donc, c'est très compliqué. Et donc, je n'ai pas le droit de rentrer chez moi, quoi. Et c'était hyper compliqué. À chaque fois que je suis là, je ne peux pas aller les voir. Ils ne peuvent pas venir non plus. Et donc, le fait que quand ils sont venus là, j'étais hyper content. Ça m'a soulagé, quoi. Donc, je me suis dit, bon, je me suis dit, là, maintenant, je peux vivre ma vie. Donc, ils sont arrivés, j'ai travaillé, j'ai des idées un peu, et ensuite j'ai déménagé pour aller faire mes études à Bordeaux. Voilà. D'autres questions? Mais c'était vraiment n'importe quelle question que vous pouvez poser. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui étaient comme vous? Il y en a beaucoup. Enfin, là, est-ce que vous êtes tous d'origine française 100%? Non. Non. Enfin, je crois pas. De toute façon, on est tous d'origine de l'Afrique. Que vous soyez d'accord ou pas, on vient tous de l'Afrique de base, en fait, mais depuis des milliers d'années. Donc, on a tous des origines étrangères. Et je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont 100% d'origine française. Peut-être des parents, oui, des grands-parents. Mais l'arrière-grand-parent, voilà, on a toujours des origines étrangères. Et bien, quand j'étais à Paris, il y a des gens qui viennent de partout, vraiment partout. Donc, j'ai rencontré des Syriens, j'ai des amis syriens qui sont en France. J'ai rencontré des Kurdes, j'ai rencontré des Arabes de Maghreb, de l'Égypte, de d'autres pays, des Italiens, des Espagnols, vraiment de tout. Mais j'ai rencontré beaucoup de réfugiés comme moi, oui. Il y en a partout. Des réfugiés, c'est pas juste des gens qui viennent de la Syrie ou qui viennent de l'Afrique. Il y a des réfugiés italiens. J'arrive. Il y a des réfugiés italiens qui sont venus... pendant les guerres qui sont passées là-bas, parce qu'il n'y a pas de travail là-bas. Des Portugais, par exemple, dans l'année 60, je pense, ou l'année 80, il y avait une dictature comme chez nous. Pareil, il y avait beaucoup de Portugais qui sont arrivés en France pour travailler, quoi. Maghreb, c'était pareil. L'Algérie, il y avait la guerre de l'Algérie, le Maroc, tout ça. Donc, l'Afrique, pareil. Le Tchétchénie, Afghanistan, Kosovo, et il y avait la guerre partout, quoi. Et d'ailleurs, il y avait... Enfin, dans l'année 40, il y avait des Français qui sont venus de la France en Syrie, en tant que réfugiés. Parce qu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale, et la Syrie, il n'y avait pas de guerre. Et vu que la Syrie, à cette époque, elle était sous la... Comment s'appelle ça? Le protectorat français. Et donc, il y avait des Français qui venaient s'installer en Syrie, en fait. Parce que c'était très dangereux en France. Il y avait la guerre, quoi. Il y avait aussi des réfugiés grecs qui sont venus en Syrie pendant la période, des Irakiens parce qu'il y avait la guerre en Irak, donc enfin, les réfugiés, il y en a partout, quoi. On se déplace, le territoire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire qu'on est français ou qu'on est syrien. Enfin, c'est une identité, c'est hyper important, mais maintenant, je me sens autant français qu'au syrien, parce que bah, je suis en France depuis longtemps, j'ai fait mes études, je parle français comme tout le monde, j'ai travaillé même... plus que certains Français qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Et donc je fais tout, quoi. Je fais mes études ici, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Qu'est-ce qui change? Voilà. C'est une identité, ça vient d'un territoire où on vit, on s'est installé, on est content, on est dans une vie un peu confortable, on a notre famille, notre entourage autour de nous. Voilà, c'est ça le pays, hein. C'est ça la maison, on va dire. La grande maison.
Ah oui, beaucoup de fouettes. Comment vous êtes senti quand vous avez vu votre maison sur la vidéo? Ça m'a très choqué. Ça m'a très choqué parce que j'ai pas compris. Mais ça m'a choqué, mais en même temps, j'ai pas envie. Pour l'instant, je dis c'est pas vrai. Parce que c'est en vidéo, donc dans ma tête, j'accepte pas quoi. Dans ma tête, c'était. Oui, c'est la maison où j'ai vécu. Je suis resté dans cette maison 19 ans. Donc j'ai vécu toute ma vie quoi dedans. J'ai pas accepté l'idée dans ma tête. Je me suis dit non, c'est pas vrai. Mais enfin, c'est vrai, mais je ne l'ai pas encore vu avec mes propres yeux. C'est horrible, mais des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter directement, en fait. Ça vient avec le temps. C'est comme si, bah, c'est pareil. Un an plus tard, après que j'ai vu ma maison sur Internet et tout, une fois, je me lève, c'était l'année dernière. Je me réveille, je regarde sur Facebook et je vois que mon oncle, il est mort. Donc, mon oncle, c'était mon voisin, en fait. Moi, j'habitais dans une rue. On avait 10 maisons, on était tous la même famille en fait. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, on habitait tous dans la même rue en fait. Et donc mon oncle était juste mon voisin de côté en fait. Et j'ai vécu toute ma vie avec lui quoi. Et j'apprends qu'il est mort. Mais jusqu'à maintenant je comprends pas. Je dis, enfin, comment ça se fait? J'arrive pas à imaginer ou à comprendre. Parce que bah, en Syrie, la culture c'est un petit peu différent qu'ici. Quand une personne meurt, enfin. C'est la même chose ici, quoi. Quand une personne meurt, on fait la cérémonie, on va les voir, tout ça. Et donc, là-bas, c'est pareil. Et c'est là qui nous fait rendre compte qu'on, oui, on a perdu quelqu'un. Et vu que ça, je ne l'ai pas fait en Syrie, je ne l'ai pas vu, je n'étais pas présent, j'espère toujours le voir, même s'il est mort. Mais c'est comme ça. Hein, c'est... Un jour, quand je retournerai, je vais voir que bah, ma maison, elle est par terre, mon oncle, malheureusement, il est mort. C'est des choses horribles, tristes, mais c'est choquant. Des fois, quand on est choqué, on n'arrive pas à comprendre directement, en fait. Voilà. Et du coup, il y avait... Ah. Bah, quand vous êtes arrivé en France, vous êtes arrivé dans quelle ville enfin... Je suis arrivé à Paris, d'abord. Et d'ailleurs, dans les films, dans les vidéos, tout ça, du coup, moi, je ne connaissais pas du tout Paris ni France. Et on se disait toujours, Paris, c'est la ville de l'amour, tout ça, donc... J'imaginais que c'est magnifique, c'est tout propre, tout ça. Donc j'arrive dans le métro, ça pue. Vous avez vu qu'il y a des métros là-bas. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué. Quand on arrive de l'aéroport jusqu'à Paris, on prend l'RER, il y a des maisons autour sur la route qui sont tous en métal. Il y a des tentes, quoi. Des gens qui habitent dans les tentes, des gens qui n'ont pas d'argent. Ça m'a vraiment choqué. Là, par exemple, je vous parle de la Syrie avant la guerre. J'ai jamais vu quelqu'un qui dort dans la rue. Des SDF, il n'y en a pas en Syrie. Hein. Il n'y en a pas de tout ça. Les gens qui demandent de l'argent dans la rue, il n'y en a pas. Il n'y avait pas ça du tout, en fait. Il y en a vraiment très, très, très peu, en fait. C'est trop rare. Et je suis arrivé à l'aéroport, il y avait des gens qui dormaient dans l'aéroport. Des SDF, quoi. Et ça, il n'y en a pas en Syrie. Enfin, ça n'existait pas. Malgré qu'il y ait beaucoup de gens qui sont pauvres, mais chacun, il avait sa maison. Par exemple, moi, j'avais une maison de 280 mètres carrés. En plus, un jardin. Donc, c'était grand, c'était hyper grand. Quoi. Là, maintenant, j'ai un studio de 22 mètres carrés. Donc, ça change. Hein. Donc, j'avais ma maison, j'avais mon travail, je faisais mes études, j'avais tout ce qu'il faut. Quoi. Mais sauf que la guerre est arrivée, et puis voilà. Et donc, ça m'a vraiment choqué. Oui, Paris, il y a les métros, tout ça. Donc, il y a des gens qui dorment dans la rue, tout ça. Bah, des fois, on me dit, la réalité, c'est pas forcément ce qu'on voit sur la télé. Bah, la guerre, c'est exactement pareil. Par exemple, la Syrie, on dit, oui, c'est Daesh. Là-bas, c'est des gens méchants, il faut raser ce pays-là. Sauf que c'est pas du tout vrai, en fait. C'est des gens comme vous qui vivent là-bas, qui font des études. Par exemple, là, malheureusement, pendant la guerre, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants de votre âge qui sont pas du tout partis à l'école depuis 8 ans. Là, ça fait 8 ans qu'il y a la guerre. Depuis 8 ans, ils n'ont même pas le droit d'aller à l'école parce qu'il n'y a plus d'école. Toutes les écoles, ils se sont fait bombarder, en fait. Voilà. Oui. Je suis là toujours de la guerre. Comment ? Syrie. Est-ce qu'il y a toujours de la guerre? Oui, toujours. Là, jusqu'à maintenant, il y a la guerre. Donc, ça n'a pas encore fini. Hein. Oui. Comment allez-vous réagir quand ça va être fini, la guerre? Je sais pas. Enfin, je serais hyper content, mais franchement, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Je pense que je vais descendre directement faire la fête. Hein. Vraiment. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer, parce que vous n'avez pas vécu la guerre. Mais imaginons... Vous allez partir en voyage pour faire les études, je ne sais pas, en Amérique du Sud pendant
5-6 ans. Et que pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas partir parce que vous n'avez pas les moyens. Et les billets, ils sont hyper chers. Les billets, c'est minimum 1000 euros pour aller-retour en Amérique du Sud. Bon, des fois, c'est moins cher. Mais c'est quand même, ça reste quand même hyper cher. Les gens qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas. Donc, on part là-bas pour un travail, pour des études. Et 5 ans plus tard, on a fini, on a envie de rentrer. Donc, on serait hyper content de revoir sa famille, de remarcher dans la rue qu'on se connaît, qu'on le connaît déjà, le quartier, les voisins, tout ça. Donc, c'est quelque chose. Enfin, la joie, on ne peut pas directement l'exprimer si on ne l'a pas vraiment senti, si on n'était pas le moment qui va arriver. Mais ce serait génial, quoi. Ce serait quand je pourrais rentrer chez moi, voir ma maison, même s'il n'y est pas, mais au moins mon quartier, la ville où j'ai vécu. Donc, ce serait vraiment génial. Ça va s'arrêter, tous les guerres s'arrêtent un jour. Oui. Est-ce que vous vous rappelez encore de votre langue, d'où c'est que vous êtes venu ? Mais en fait, je parle encore ma langue. Là, avec ma famille, je parle encore kurde. Quand j'appelle mon père, je lui parle en kurde. Enfin, mon père ou ma mère, ou mes soeurs, tout ça. À la maison, chez moi, en Syrie, à la maison, on parlait qu'au kurde, on ne parlait pas arabe. C'était interdit de parler arabe. Vu qu'on n'avait pas le droit d'apprendre le kurde à l'école où on n'avait pas des livres. Donc le seul moyen de garder notre langue, c'était de parler à la maison. Donc mes parents, ils parlaient toujours kurde avec moi. Donc j'ai gardé cette langue, je parle. Et quand je suis parti à l'école primaire, première année, je ne parlais pas du tout arabe, je ne comprenais rien du tout. Et donc j'ai appris l'arabe avec des amis, tout ça. Donc, l'arabe, sur Facebook, j'écris en arabe, je lis en arabe. J'ai des amis arabes aussi en France. Et aussi, je parle français. Du coup, je parle les trois langues jusqu'au maintenant. Voilà. Oui. C'est important pour vous de venir raconter ça dans les écoles. Ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper important parce que, je sais pas, imaginons, vous êtes ici, il y a un grand problème dans cette ville, je sais pas. Par exemple, il n'y a pas de fac. Il n'y a pas de fac, donc on ne peut pas faire des études ici. À un moment, on est obligé d'aller déménager, aller dans une autre ville, s'éloigner de sa ville, s'éloigner de ses amis. Bon, après, c'est bien aussi de changer. Mais quand on est forcé, c'est jamais agréable, quoi. Ou il y a un problème, un problème climatique. Et donc, personne n'est courant quand vous allez partir à Paris, vous parlez de ça, et personne n'est courant. Personne ne connaît cette ville. Enfin, je sais pas, moi, quand je dis à mes amis que je vais aller à Nevers, personne ne connaît Nevers, hein. Vraiment, mes amis français, à Bordeaux. Je dis, je vais à Nevers, elle a dit, mais c'est où Nevers? Je dis, c'est entre Dijon et Paris. Enfin, entre Lyon, Dijon et Paris. Ils ne connaissaient pas. Moi, je ne connaissais pas du tout Nevers. Hein. Et du coup, il faut le parler. Il faut dire, chez moi, c'est un peu plus grave, parce que là, la guerre, c'est un pays, c'est un grand pays. Là, il y a 12 millions de réfugiés qui sont partis, qui ont quitté le pays. Il y a plus de 1 million de personnes qui sont mortes. Là, par exemple, l'habitation de Nevers, cette ville, vous venez des villages, non? Donc là, tous les communes, ça fait combien de population? Ça fait 5 000, 10 000, 15 000? Même pas, non? 10 000 euros à l'année. La première année de la guerre, juste dans une ville qui s'appelle Alep, il y avait plus de 20 000 personnes qui sont mortes. Donc imaginons, comme si on est en train de... On a enlevé toute cette partie-là, en fait, toutes ces communes, on les a rasées, quoi. Bon, il y a plus de 1 million de personnes qui sont mortes, qui ne sont plus là, en fait. 1 million de personnes, ça veut dire quoi? Des enfants qui étaient à l'école, une personne qui faisait ses études de médecine, un père qui était en train de travailler pour ses enfants. C'est des vies, en fait, c'est des gens, c'est des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des amis, qui ont des vies, qui ont des histoires, quoi. Donc plus d'un million de personnes qui sont mortes, qui ne sont plus là, quoi. C'est un million de personnes. Ils ont un million de familles aussi. Donc ces familles-là, ça va rester quand même gravé dans leur tête, quoi. Ils ont perdu quelqu'un de leurs proches, de leur famille. C'est hyper compliqué. Et il y a aussi des gens qui sont encore emprisonnés. Donc pour moi, c'est hyper important d'en parler, parce que c'est mon devoir. J'ai vu tout ça avec mes propres yeux, j'ai vu que ça. Il faut que j'en parle pour... En espérant, par exemple, demain, imaginons demain, il y a un réfugié qui vient dans votre école, qui ne parle pas la langue. Donc c'est important pour vous de comprendre aussi d'où il vient, pourquoi il est là, d'aller lui parler, de dire, ah oui, tu viens d'où, et pourquoi tu es venu, en fait. Et c'est important de comprendre. On ne peut pas le juger, on ne peut pas dire,
Ah oui, en fait, les parents, ils l'ont dit, bah, les réfugiés, c'est des méchants gens, en fait. Enfin, je sais pas, je suis venu là, est-ce que je vous ai fait des mal, ou je vous ai volé, ou je sais pas, enfin, j'ai rien fait, quoi. Je suis comme vous, j'ai ma vie, je travaille, je fais mes études. Et donc, c'est hyper important de comprendre ces gens qui viennent d'autres pays, il faut comprendre pourquoi, il faut lui poser la question, faire connaissance avec lui, parce qu'il est comme nous. Parce que si on se met à sa place, en fait, c'est hyper important, ça. Imaginons que vous êtes à sa place. Vous venez dans cette école, vous ne connaissez personne. Et personne ne vous parle. Tout le monde vous regarde bizarrement, il vous dit « Ah oui, mais lui, il n'est pas d'ici, donc je ne vais pas lui parler. » Mais pourquoi? Si vous êtes à sa place, vous aurez vraiment aimé que quelqu'un vienne vous parler. Je sais que, par exemple, quand j'étais au lycée, j'ai déménagé. J'habitais dans les banlieues, je suis parti en ville. Donc je suis arrivé dans un lycée, je ne connaissais personne, vraiment personne. Je suis rentré dans la classe, même pas la première heure, je me suis posé sur une chaise, il y avait directement trois personnes. Non, ils disent oui, il faut passer par là pour aller en Italie. Donc les gens qui sont dedans, enfin, parce qu'il n'y a pas de chauffeur, hein. C'est des gens qui conduisent même eux-mêmes en fait. Donc les gens ils vont écouter, ils vont passer par où ils ont dit, et ils retombent sur la même plage, sur la plage de la Libye. Et ils recommencent, ils repayent pour aller payer en fait, pour partir. Du coup c'est horrible, enfin, c'est des gens qui profitent quoi, c'est des gens qui profitent des situations. C'est des commerçants quoi. Du coup voilà. Mais moi quand je suis passé, c'était simple, c'est ce qu'il a fait. Enfin c'est horrible quoi. On était dans le village où je suis parti voir un ami, rejoindre un ami. Et du coup on me cherchait à aller passer la frontière. Donc c'était un peu habituel. J'étais dans le minibus, ça avançait, il y avait un passeur qui a arrêté le minibus et a dit « Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partir en Turquie ?» Du coup, moi j'ai descendu directement, j'ai dit « Oui, je veux partir. » J'ai commencé à négocier, il m'a dit « 2500 livres. » 2500 livres, c'est à peu près 250 euros. Voilà. J'ai dit « Bon, bah ok, j'ai pas le choix. » On part avec 5 personnes dans une voiture. Après, à peu près une demi-heure de ce village-là. Il dépose, il dit il faut attendre un peu, on a attendu, et il nous a dit, bah là, vous voyez, il faut juste passer la frontière. Et vous serez à l'autre côté, vous serez en Turquie. Et il y aura un minibus qui vous attend pour vous récupérer. On a dit, ok. On rentre, les militaires, ils commencent de lui tirer dessus directement, vraiment. Les militaires, ils étaient vraiment assez loin. Quoi. Et donc, on rentre, on commence de courir directement. Il n'y a pas de rue pour les minibus, il n'y a pas de minibus, il n'y a rien du tout. Il n'y avait que des champs. Et on a commencé de courir. Des champs et des arbres, heureusement, pour se cacher. Et des fois des fossés et tout ça. Et on courait pendant 2 heures, 3 heures pour arriver sur la première rue où on a commencé de voir des bus qui passent en fait. Mais pas le bus qui nous attendait. Il n'y a jamais eu de bus en fait. Et du coup, on a payé juste pour une demi-heure de voiture avec lui, chacun 2500 livres, chacun 250. Donc ça fait à peu près 1250 pour les 5 personnes. Quoi. Dans même pas une demi-heure. Donc s'il fait ça plusieurs fois par jour, il gagne bien sa vie. Hein. Donc voilà, c'est horrible, c'est des gens qui se profitent. Votre vie en Syrie, avant la guerre, ça vous manque? Je peux dire oui et je peux dire non. Ça me manque dans le cas, enfin, dans le sens où bah, quand j'étais au lycée, tout se passait super bien, j'étais avec mes amis, on profitait et tout ça. Mais en même temps, ça me manque pas du tout parce que je travaillais tout le temps. J'avais pas de vacances en fait. Je savais pas qu'est-ce que c'est les vacances. Vraiment, jamais de la vie, je me suis dit, ah, il faut que je prenne des vacances. Il n'y avait pas de vacances. Je travaillais tout le temps. Pendant l'été, mes amis, les gens qui avaient un peu de moyens, ils partaient faire des activités, je sais pas, à la piscine. Par exemple, moi, je sais pas nager. Dans ma ville, il n'y a pas de plage. Et il fallait aller à la piscine. Et la piscine, c'est un peu cher. Et du coup, je n'ai jamais appris à nager parce que j'avais pas des moyens pour aller apprendre à nager. Quoi. Et du coup, j'étais tout le temps en train de travailler. Vraiment tout le temps. Et ça me manque pas du tout. Enfin, je suis content. Hein. Vraiment, je suis hyper content de passer par là. Même si c'est horrible, mais c'est ce qui m'a appris d'être comme ça. C'est ce qui m'a appris d'être patient dans la vie. C'est ce qui m'a appris d'être responsable, de compter sur moi-même, de travailler, de... Enfin, je sais pas, quand j'étais en Turquie, quand j'ai passé la frontière, j'étais tout seul. Je suis parti en Turquie, j'étais tout seul. J'étais avec des amis, mais j'étais responsable de moi-même. Chacun était responsable de soi-même. En France,
la famille, il est des enfants jusqu'à 25 ans, quoi. Et moi, j'avais pas ça, quoi. Moi, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à travailler. Mais mes vêtements, je les achetais avec moi-même, avec mon argent. Donc, c'était toujours comme ça. Et ben, en Turquie, c'était horrible. La première fois que je sors de chez ma famille, je suis tout seul. Quand je suis arrivé, enfin, j'imaginais une sorte de paradis en Turquie, quoi. Surtout que quand je suis rentré en Turquie, ça changeait vraiment beaucoup. En Syrie, il n'y a pas d'électricité, en Turquie, il y a l'électricité. Parce que pendant la guerre, il n'y avait plus d'électricité. Il n'y avait rien de tout. Il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de pain, il n'y avait vraiment rien de tout. Enfin, d'ailleurs, parlant de médias, enfin, on passe à autre chose. Quand la guerre a commencé en Syrie, c'était en 2011. Du coup, c'était assez loin de Alep. Ça a commencé dans le sud et moi, j'étais dans le nord. Comme Bordeaux et Strasbourg. C'est tout à l'opposé, quoi. Et je regardais sur la télé, j'entendais des informations, ils disaient des hélicoptères qui sont en train de bombarder des villes. Je ne croyais vraiment pas, en fait. Je disais, c'est pas possible. Et aussi, j'entendais que le prix du pain, ça a augmenté de 1 euro à 100 euros, une baguette de pain. Je dis, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et du coup, je ne croyais pas. Un an et deux mois plus tard, en février, je rentrais de l'école, il faisait... Enfin, c'était à peu près l'après-midi, c'était à ce temps-là. Et j'ai vu un hélicoptère qui passe au-dessus de chez moi. Et du coup, chez nous, en fait, quand j'étais tout petit, j'adorais les avions. Enfin, comme tout le monde, on fait coucou à l'avion, quoi. C'était un peu comme ça. Et là, je vois, il passe au-dessus. Il va à peu près juste 2 km. Je le vois encore. Enfin, c'est pas dans le ciel, on le voit encore. Et il commence de lâcher des bombes. Et ça explose. Et je vois l'explosion, quoi. Je dis, non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Mais sauf que je le voyais devant moi, mais en direct, quoi. Et ça commençait d'être vraiment très chaud autour de chez moi. Je me rappelle qu'il y avait des nuits, où, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo, où, des nuits où il y avait des bombardements qui tombaient vraiment partout. Heureusement pas sur chez nous, mais c'était horrible, on ne pouvait pas sortir. Parce qu'il y avait des pièces de ces bombardements qui explosent, ils s'envolent partout, en fait. Et du coup, on ne pouvait pas sortir. La nuit, il n'y avait pas d'électricité, on n'entendait que ça. Et du coup, on a dû quitter chez nous, on a dû partir dans le centre. Et dans le centre, quelques mois plus tard, c'était vraiment la guerre. Et d'un coup, il y avait la coupure d'électricité. Et donc, quand il n'y avait pas d'électricité, le moteur pour envoyer de l'eau, ça coupait aussi, donc il n'y avait pas de l'eau. Et c'était l'hiver. C'était au mois de décembre. De décembre jusqu'à avril, c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié ça, par exemple, vu que je suis parti dans le centre, j'habitais à côté d'une base militaire, qui était juste de l'autre côté de la route. Donc à chaque fois qu'il y a une bombe qui sort, la maison, elle bougeait vraiment, c'était horrible. On était obligé de laisser toutes les fenêtres ouvertes. Les fenêtres, ça s'ouvrait comme ça, en fait, sur les deux côtés, comme ça. Donc on était obligé de les laisser ouvert et les scotcher, mettre une sorte de X en fait. Comme ça, quand ça explose, au moins les vitres, ça s'envole pas partout. Et les portes, pareil, c'était ouvert tout le temps. Même pendant l'hiver, il faisait hyper froid, il n'y a pas de chauffage. Enfin, chez nous, les chauffages, ça marche sur l'essence, sur le gazon. Et c'était trop cher, c'était hyper cher, on pouvait pas acheter. Du coup, l'hiver, il fait froid, les fenêtres, ils sont ouvertes. Et il faut faire avec, quoi. Et du coup, ensuite, après, il y a eu une période où il n'y avait vraiment rien autour. Je suis parti une fois pour l'histoire de pain. Je suis parti une fois acheter du pain. Et le mec, il me dit... en fait, je fais une comparaison. C'est pas, l'argent chez nous, c'est pas l'euro, c'est le livre. Et chez nous, on mange des galettes de pain. Je ne sais pas si vous connaissez le pain libanais. C'est à peu près pareil. Chez nous, 1 kilo de galettes de pain, ça coûtait 15 livres. Et avec la guerre, pendant cette période, ça a augmenté à 500 livres. Donc c'est fois 30, quoi. C'est fois 30, 40, quoi. Et c'est comme si, on achète une baguette qui était à 1 euro, qui a augmenté à 50 euros ou 100 euros. Du coup, je pars, je vais aller acheter. Je dis, oui, c'est combien? J'ai eu l'habitude que ça sera un peu plus cher, par exemple 50 ou même 100 livres, c'est pas grave. Il m'a dit 500, ça veut dire à peu près 100 euros, quoi. Parce que 500, on peut vivre pendant une semaine avec 500 livres, quoi. Et je dis, non, c'est pas possible, j'ai pas acheté, je suis rentré chez moi. Je rentre chez moi, j'ai pas acheté du pain. Ma famille m'a engueulé, m'a dit, pourquoi t'as pas acheté? Je dis, c'est hyper cher.
Ils m'ont dit oui, bah, c'est cher, mais si on n'en a pas, donc on fait quoi? Il faut manger là, donc il ne faut pas se poser la question. Du coup, je repars. Et quand je suis reparti, il n'y avait plus. Donc c'était comme ça, voilà. Ensuite, les pâtes, la deuxième chose, c'était les pâtes. C'est devenu hyper cher. Le riz, c'est pareil. Un kilo de riz, c'était à peu près 30 euros. Donc on devait manger une fois par jour, on devait faire une fois à manger par jour parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Donc un seul plat, matin, midi, soir. Voilà, donc c'était comme ça, pendant 20 jours. Et pour boire, je partais chaque 2-3 jours, je faisais la queue pendant 5-6 heures pour avoir 20 litres de l'eau, juste pour boire. On n'utilisait pas pour les toilettes, on n'utilisait pas pour prendre des douches, c'était impossible. Je me souviens encore. Chaque 10 ou 20 jours, il y avait une fois où on avait un pot de l'eau, vers 2h, 3h du matin, et de l'eau froide. Donc on prenait des douches, de l'eau froide, avec de l'eau froide pendant l'hiver. Quoi. Donc, c'était horrible. Donc ça, c'était un peu le quotidien de la guerre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. J'ai jamais imaginé. Et je me suis dit, oui, les médias, ils ne racontent pas la vérité. Et ben, quand j'ai vécu ça, je dis... Ah oui, ça arrive, quoi. Mais il faut quand même toujours faire attention, parce que, pareil, quand je regardais sur la télé syrienne, vraiment, pendant les bombardements, pendant tout ça, pendant la guerre, quand je voyais la télé, la chaîne de la régime d'Assad, ils parlaient de l'acte de je sais pas quoi, les gens ils partent pour faire les vacances, tout ça, alors qu'il y a la guerre, il y a des gens qui meurent, quoi. Ils sont hors connexion, quoi. Ils parlent d'autre chose. Donc il faut aussi faire attention à ce qu'on regarde, Et surtout maintenant c'est hyper compliqué. Il y a beaucoup de télé, il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de journaux. Et maintenant, chaque télé raconte tout, n'importe quoi. Donc ça devient hyper compliqué pour vérifier les informations. Avec le montage, la Photoshop, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais bon, après, les vrais témoignages, les gens qui ont vécu, les gens qui font des vidéos en direct, ça, on ne peut pas dire que c'est le montage non plus, en fait, parce que c'est direct, quoi. Donc, on peut voir avec nos propres yeux. Et justement, pendant la guerre, on ne regardait plus la télé, parce que la télé, elle ne racontait rien. Sur Facebook, il y avait des journalistes qui étaient là, sur place. C'est ce qu'on faisait, en fait, c'est ce qu'ils faisaient, les journalistes, pour garder une trace des bombardements. Ils sortaient sur la toiture, ils mettaient une caméra, et ils filmaient pendant des heures et des heures. Et du coup, dès qu'il y a un bombardement, ils vont récupérer la vidéo, ils vont la couper, ils vont mettre en ligne le moment où il y a le bombardement. En fait. C'est comme ça. Et il y a des gens, par exemple, on savait, par exemple, on a pris l'habitude de dire il y a un avion, donc on a entendu il y a une minute, donc il va venir bombarder, donc il sort directement, il met la vidéo en ligne, en direct, et on voit qu'il y a l'avion qui arrive bien et qui vient bombarder. Quoi. Donc c'est devenu une habitude, quoi. Voilà. Mais on regardait quoi? Des choses sur Facebook, des vidéos directes, des gens qui sont sur place. On ne faisait plus confiance à la télé, quoi. Ni aux journaux, parce qu'il racontait n'importe quoi. Enfin, on ne pouvait même pas apprendre ce qui se passe à 20 km de chez nous. Il fallait absolument regarder un peu sur Facebook les journalistes sur place, quoi. Oui. Et vous dites, vous n'avez pas d'électricité chez vous pour pouvoir regarder Facebook, vous faites comment? Mais en fait, c'était pendant... Justement, l'électricité, c'était... Pendant une période, il n'y avait pas. Pendant une période, il y avait, en fait. Tu vois? C'était... des fois, il y avait un coupeur, en fait. Par exemple, quand je suis parti dans le centre, pendant 20 jours, on n'a jamais vu l'électricité. Donc, on ne voyait rien de tout. On était hors connexion. On ne savait pas du tout ce qui se passe. C'était hyper compliqué. Mais pendant cette période, les 20 jours-là, dans d'autres quartiers, il y avait de l'électricité. Donc, des fois... grâce aux gens qui viennent chez nous, ils disent ah oui, ça se passe là, ça se passe cette chose dans cette ville-là. Mais au début, je te parle de tout début en fait, quand il y avait encore l'électricité à Alep, en 2011, il ne se passait rien à Alep en fait. Et quand on regardait la télé, il n'y racontait rien. On était obligé de regarder Facebook, quoi. En 2012, c'était pareil. En 2012, il y avait des périodes où il n'y avait pas du tout d'électricité, il y avait des périodes où il y en avait. Donc ça dépendait. J'avais un oncle qui habitait à peu près à 1 km de chez moi, quand j'étais dans le centre. Et du coup, c'était deux quartiers différents. Quand moi, j'avais pas d'électricité, lui, il y en avait, par exemple. Donc, je partais chez lui, mais quand il y en avait, c'était pour 1 heure ou 2 heures par jour. Hein. Et ça faisait
À la limite, ça faisait tourner la télé, parce que la télé, il faut pas beaucoup de watts quoi, pour le faire tourner. Et il faisait tourner juste une lampe, pas ces lampes-là, les lampes jaunes, parce que ces lampes-là, il faut 220 volts pour les démarrer. Parce qu'il y a un truc, je sais pas si vous faites attention, il y a un truc dedans pour... Là, on n'a pas de cours qu'on prenait ensemble, des cours privés, à peu près vers 18h. On est sortis, on était sur le marché, c'était pendant l'hiver, du coup il faisait noir. C'était au début de 2011, du coup il n'y avait pas de guerre à là. On marchait, il y avait un policier qui s'est arrêté juste devant nous. Et il a crié, il a dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et moi je regarde, enfin automatiquement je regarde derrière moi s'il y a quelqu'un derrière nous, ou s'il se passe quelque chose. Je regarde, il n'y a personne, il n'y a que nous en fait dans la rue. Je dis non. Elle dit oui, qu'est-ce que vous faites? Je dis bah, on est sur le marché, on rentre chez nous. Quoi. Elle dit non, vous n'avez pas le droit et tout ça. Je dis mais comment ça, on n'a pas le droit? Elle dit la fille, qu'est-ce qu'elle fait avec vous? Je dis bah, c'est ma copine, on vient de sortir de cours d'anglais. Quoi. Et elle dit non, je vais appeler la commissariat pour envoyer en voiture pour vous récupérer. Et dans ma tête, enfin j'étais au lycée, je ne comprenais pas trop qu'est-ce qui se passe. Dans ma tête, directement, j'ai compris qu'en fait, c'est interdit de marcher avec une fille dans la rue. Donc imaginez à ce point. Et du coup, je savais que la Syrie, là-bas, ça marche, tout marche avec l'argent. Du coup, je parle avec le mec, je dis, excuse-moi, est-ce que je peux vous parler? Elle dit oui. Et du coup, je vais aller le voir. J'avais mon portefeuille, je mets tout le temps derrière. Et du coup, j'avais préparé et j'ai sorti 100 livres. 100 livres, c'est à peu près 10 euros. Et je dis, je suis désolé et tout ça. Enfin, je ne savais pas. J'étais vraiment, enfin, j'avais hyper peur. Je dis, je ne savais pas, comme si c'était un crime, quoi. Je dis, est-ce que bah, je peux vous donner ça et qu'on arrange ça entre nous et tout. Il m'a crié dessus, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'avais pensé que c'est un mec qui est bien, qui n'est pas corrompu. Il me dit, range ça et sors-moi 1000 livres. 1000 livres, c'est 100 euros, un peu plus. Non, ça va pas. Je dis, non, je suis désolé, enfin, j'ai pas d'argent en fait. Et elle dit, ton père, il travaille en quoi? Et je dis, mon père, il est fonctionnaire. Fonctionnaire à l'État. Et fonctionnaire à l'État en Syrie, c'est des gens qui sont les moins payés, quoi. Et donc, qui n'ont pas trop d'argent, quoi. Et elle a dit, bon, ok, cette fois-ci, je vais te laisser passer. Vraiment, et je suis parti. Et après, j'ai pris l'habitude. Et j'ai été arrêté 8 fois dans la rue avec la même fille, quoi. Par les policiers. Parce que j'avais pas le droit de marcher. Après, j'ai pris l'habitude, je disais, je suis désolé, j'ai pas d'argent. Donc, il me laissait directement. C'était juste pour... Mais parlons de sécurité, oui, bah ici on peut sortir, on peut faire ce qu'on veut, on peut étudier ce qu'on veut, parce que même les études c'était compliqué. Je vous ai pas parlé des écoles d'architecture ici, mais là-bas c'est autre chose. Ici vous avez des moyens de soit en 20 à chaque fois, au lycée, en terminale. Là-bas, le bac c'est un concours. Les notes c'est en 240. Donc on a une note de 240 avec chaque matière différente. Par exemple les maths c'est 60 points. Et bah, il faut, par exemple, pour rentrer en école d'architecture, il faut avoir minimum 215 sur 240. Ce qui va à peu près 18 sur 20 en français. Bon, les études de médecine, c'est 235 sur 240. C'est 19,9 sur 20. Imaginons que vous avez, par exemple, 234. Si vous avez 234, il faut redoubler l'année. Il n'y a pas de... Il faut redoubler le bac. Et j'ai mon frère, enfin, je parle de mon entourage pour être sûr de quoi je parle. Mon frère, il a voulu faire... il a toujours voulu faire l'archéologie. Il a tenté la première année, il n'a pas réussi. Deuxième année, il n'a pas réussi non plus. Troisième année, il a réussi d'avoir une bonne note et il s'est inscrit en commerce. Quatrième année, il s'est inscrit dans notre... Enfin, non, il n'a pas réussi non plus. Cinquième année non plus, et sixième année en fait, là il a fini ses études de commerce, et il a réussi d'avoir des bonnes notes pour l'archéologie, après 6 ans de bac. Il a passé 6 ans pour avoir une bonne note pour rentrer en archéologie. Alors qu'ici, en général, si on a un moyen de 14 et 15, on peut rentrer dans n'importe quelle matière qu'on veut en fait, donc il faut dire qu'on veut en fait. Donc, si je ne me trompe pas, si on a une mention bien, on rentre dans n'importe quel... Donc c'est compliqué là-bas, voilà. Là-bas, je sais pas, des études de droit par exemple, je sais qu'en droit, c'est des études de littéraire. En études de littéraire, on peut pas avoir beaucoup de notes. La philosophie, on peut jamais avoir par exemple 20 sur 20, c'est impossible. Arabe, c'est pareil, donc on peut pas avoir des notes facilement. Et bien pour entrer en,
les études de littéraire, le bac littéraire, c'était 220, c'était pas 240. Et pour rentrer à la fac de droit, il faut avoir à peu près 180 ou 190 pour y entrer. Et 190, c'était impossible, hein, c'était hyper compliqué. Personne ne passait au-dessus de 200, quoi. Oui. C'est quoi le bac arabe? Le bac arabe, oui. C'est comme ici. Ah, mais ça, il y a bac général, donc en fait, non, c'est plus compliqué qu'ici. C'est plus sélectionné. Là, par exemple, vous êtes en troisième. Donc là, pour rentrer en lycée, qu'est-ce que vous faites? Vous passez juste le, comment ça s'appelle, le brevet, et après, à vous de choisir, non? Ah bah là-bas, non. Là-bas, c'est les notes qui choisissent. Par exemple, quand on passe le brevet, il faut avoir certaines notes pour rentrer dans le lycée général. Par exemple, bah, en Syrie, les notes de brevet, c'était sur 310. Il faut avoir minimum 200 pour rentrer en lycée général. Si on a 199, on ne peut pas rentrer en lycée général. Il faut soit aller en art, soit aller en commerce, ou économie, ou n'importe, mais pas général. Pour rentrer en lycée général, il faut avoir un bon note. Et le lycée général, c'est deux choses, soit scientifique, soit littéraire. Et c'est pareil, bah, c'est après la première année de lycée qu'on choisit. Hein. Comme ici. Mais c'est sélectionné, quoi. Enfin, là-bas, on n'a pas beaucoup de moyens. Au vu des projecteurs, on n'en a pas. Caméra, on n'en a pas. Des ateliers, des stages, on n'en a pas du tout. Seule chose, le prof, il rentre, il a son stylo. Enfin, encore, heureusement. C'est la dernière année qu'on a eu des stylos comme ça, ou des tableaux comme ça. Avant, c'était avec des... Avec des craies, ouais. C'était horrible. Et du coup, le prof, il rentre, il écrit, il part. Vous avez compris, vous n'avez pas compris, c'est votre problème, quoi. Il n'y a pas... en fait, surtout, on était en classe. Au lycée, je me souviens, on était en classe de 60 personnes au lycée. 60 personnes, le prof, il a jamais le temps pour venir s'intéresser à tout le monde, quoi. Vous n'avez pas compris, c'est votre problème à vous de voir chez vous, quoi. On était obligé de faire des cours privés pour comprendre. Donc c'était horrible. Déjà que c'est trop compliqué, on n'a pas des moyens, mais le fait de ne pas avoir des moyens, le fait de ne pas avoir de très bons cours à l'école, d'avoir des choses comme ça, en fait, des stages, on était obligé de chercher par nous-mêmes. On était obligé de se poser des questions, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il faut bosser, en fait, jour et nuit pour réussir. J'arrive. Et en bac chez moi, je me souviens, tous les jours, je me réveillais à 4h du matin. À 4h du matin pour penser. Et je finissais à peu près 10h du soir. 10h du soir, je dors 4h du matin, comme ça. Je sors pas de soirée, pas de fête, pas de sortie, pas d'activité. C'est juste penser. Le livre de, comment ça s'appelle, de biologie, je l'ai fini 5 fois. À un moment, j'ai réussi, enfin vraiment, quand je suis rentré en examen de bac, en biologie, j'avais une question sur l'œil, en fait, sur les comment ça s'appelle, là, paupières. Le les paupières. Bah, je sais pas en fait comment ça s'appelle en français parce que je l'ai fait en arabe. Mais du coup, c'était l'œil. Et je me souviens quand c'était page 96, que le dessin était à ce côté, et qu'est-ce qui était écrit en haut et en bas et à côté. Donc, vraiment, c'est pas que j'ai appris par cœur, mais à force de bosser, enfin, je connaissais tout par cœur, quoi. Voilà. Ça change, hein, le dessin. Ouais. J'ai encore des amis, j'ai encore des cousins, j'ai une grande famille là-bas, quand je cherche du travail. Une fois, pendant ma formation, j'ai eu mon formateur, il m'a parlé d'une offre de l'emploi chez Burger King. Et c'était à Neuilly-sur-Seine, à Paris. C'est un quartier, voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, j'y vais. Et moi, j'aime pas du tout travailler dans la restauration, c'est pas mon truc. Je travaille dans la vente, dans les usines et tout ça, mais restauration, c'est pas trop mon truc. Je dis, pourquoi pas, enfin, j'ai besoin de l'argent, et il faut pas se poser la question. Je suis parti, ça faisait à peu près 6 ou 7 mois quand j'étais en France. Donc, j'avais un entretien, je rentre dans la chambre, il y avait 3 personnes. Une fille, une trentaine d'années, et 2 garçons, qui sont à peu près le même âge aussi. Donc moi, j'avais l'entretien avec la fille. Je viens, bonjour, je serre la main, j'avais appris ça dans ma formation. Ma formation, c'était comment apprendre à travailler en France. Voilà. Apprendre des lois sur le travail, faire des stages, des pratiques, tout ça.
Donc je rentre, je suis sourd, enfin j'ai un caractère assez fort, j'ai envie d'avoir ce boulot quoi. Donc je mets mon CV, je commence à parler, elle me pose des questions, je commence à parler. Et elle a vu que j'ai un accent assez fort à cette époque parce que je parlais vraiment pas très bien français. Elle m'a dit, vous êtes étranger? Je dis oui. Elle a dit, est-ce que vous avez des papiers? Directement, c'était la première question. J'ai dit oui. J'ai dit, j'ai un récépassé. J'ai sorti mon récépassé. Le récépassé, c'est le papier qu'on a avant la carte d'identité. La carte de séjour, pardon. J'ai sorti, je lui ai posé, enfin, je lui ai donné. Elle a regardé, elle a dit, ah, réfugié? Elle a jeté devant moi. Et moi, j'ai pas compris sa réflexe, quoi. Enfin, c'était hyper raciste, ça se fait pas. Enfin, ça se fait pas de faire ce genre de truc. Moi, ce que j'ai fait, c'était hyper calme. J'ai pris mon papier, je suis parti. Je dis, bah tant pis. Enfin, franchement, ça me donne même pas envie de travailler avec ces genres de gens, quoi. Et en même temps, je comprends pas. Encore, c'était une fille qui est jeune, 30 ans. Donc, à son âge, au voyage. Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens, par exemple, qui sont des personnes âgées, qui sont assez fermées. Moi, je dis pas raciste. Je dis jamais le mot raciste. On va dire que c'est des gens qui sont fermés d'esprit. Et bien parce qu'ils sont dans leur village, ils n'ont jamais rencontré des étrangers, ils n'ont jamais vu un noir, un arabe, ou je ne sais pas, un réfugié. Ils ne regardent que la télé. Et la télé, on raconte que des conneries sur la télé. Donc forcément, ils vont juger. Enfin, en fait, ça m'était arrivé avec dans une autre histoire, je vais vous raconter aussi. Et du coup, je comprends ça. Mais les jeunes qui voyagent, qui partent, qui vont dans d'autres villes, et surtout, par exemple, je sais pas, à Paris, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers qui viennent faire des études, qui viennent pour plein de raisons, pour travailler et tout ça. Donc je ne comprenais vraiment pas, en fait, c'était pas logique pour moi. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui jugent les autres parce qu'ils sont de telle origine ou telle religion ou telle. Enfin, franchement, on est libre de faire ce qu'on veut. Laissons les gens tranquilles. On est en France, on est 65 millions. Est-ce qu'on est obligé d'avoir de parler avec tout le monde? Ben non. Donc si on est on a quelques bons amis, une copine ou une famille, c'est bon, quoi. Et c'est, on ne se prend pas la tête. On ne rentre pas dans les affaires des autres, quoi. Donc, je pense qu'on est tous capables de vivre en France, quoi. Donc, voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Mais du coup, déjà ça. Donc, et quand je suis arrivé, pareil, j'étais à la bibliothèque. Et pendant 9 mois, j'allais tous les jours, en fait. Et je voyais un monsieur qui était à peu près 60, 70 ans, qui était tous les jours là aussi. Je me suis dit, pourquoi pas parler avec un vieux? Les vieux, ils parlent trop. Je me suis dit, pourquoi pas, ça me permettra de parler français. Donc voilà, je vais dans mon patient. Je suis parti le voir. Je dis, bonjour monsieur. Je lui parlais en moitié anglais, moitié français. Je dis, je viens d'arriver, j'aimerais apprendre le français. Est-ce que vous avez des conseils, des choses comme ça? Et il me dit, la première question qu'il me pose, il me dit, tu viens d'où? Je lui dis, bah, je viens de la Syrie. Deuxième question qu'il me pose, il me dit, t'es de quelle religion? Et je sais qu'en France, on pose pas ces genres de questions. Enfin, si on ne connaît pas vraiment la personne, si on n'a pas vraiment fait connaissance avec lui, on ne se pose pas la question par rapport à la religion, par rapport à, je sais pas, à quoi il croit ou à quoi il ne croit pas, ou dans quelle partie politique il est. Enfin, Chacun sa vie, quoi. Et du coup, directement, j'ai compris que le mec, il est comme ça, donc je suis parti. Mais j'ai eu des menaces de mort de la part des Syriens. Enfin, en France. Parce que, moi, je suis contre ce régime, contre cette guerre qui passe en Syrie. Et j'ai envie de toujours parler... Enfin, je faisais des manifs, et maintenant, je fais le film, donc je parle toujours de ça. Et il y a, je sais pas, une fois, je suis tombé sur une personne qui est vraiment bête, qui m'a menacé, il m'a dit, je vais t'envoyer des gens à Lyon pour te tuer, vraiment, mot par mot. À cette époque-là, j'étais à Lyon. Et j'ai toujours pas compris pourquoi, en fait. Parce que, aussi, le fait de parler de ça, on va être toujours en danger, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler de la vérité. Parce que quand on parle de la vérité, quand je vous raconte tout ça, c'est des crimes, en fait. L'État, il fait des crimes contre l'humanité, contre beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, c'est... S'il y a des vrais, s'il y a de vraies justices, il doit par exemple, les condamner, quoi. Et donc, ils ont des services de renseignement un peu partout. Ils veulent pas qu'on parle de ça, en fait. Même en France, par exemple, il y a une histoire, une vraie histoire. Je vous parlais de Tamir. Il y a un mec dans l'année 80, il était en France. Il faisait ses études de médecine. Une fois, il était en soirée,
avec ses amis, et rigolait, tout ça, il a raconté des blagues. Et lui, il a raconté une blague sur le président de la Syrie, qui s'appelait Hafez, le père de Bachar. Il a dit, lui, il a une tête d'animal, parce que sa tête, elle était vraiment énorme. C'était une blague, quoi. C'était une blague, et entre amis. Deux ans plus tard, il finit ses études, et rentre chez lui. Il rentre chez lui, il arrive à l'aéroport, et il y a les policiers qui le récupèrent à l'aéroport. Il le voit dans une voiture, il part, dans la prison. Première prison, deuxième prison, troisième prison. Après, on l'envoie où ? On l'envoie aux prisons de Palmyre. Il se fait emprisonner pendant 14 ans à cause d'une blague. Voilà, donc, parce qu'il a dit, Hafez, il a une tête d'animal. Pas trop logique, non ? Ça s'est passé en France, la blague, il a dit en France. Quand il est rentré chez lui, il a dit en France. Comment ils ont fait pour... Bah, il y avait une personne qui était dans la soirée, qui était avec lui, qui travaillait dans le service de renseignement. Vous êtes à peu près tous les jours. Ah oui. Chez nous, en Syrie, parce que je vous ai dit, il y avait plusieurs révolutions. En Syrie, dans certaines époques, les gens, ils avaient peur de parler chez eux. Ils disaient, en fait, les murs entendent des bruits. Ça, des oreilles, oui, ils ont des oreilles. Quoi. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler, on peut pas parler dans la rue, on ne peut pas parler chez nous tranquillement. Je me suis dit, en 2010, je travaillais dans une usine de chips, de fabrication de chips. Cool. Et c'était génial. Et j'étais avec un ami, du coup je m'entendais bien avec lui. Et des fois on parlait de la politique parce que c'était le printemps arabe, donc il y avait des révolutions un peu partout dans les pays arabes, en Tunisie, en Égypte, tout ça. Et pour parler de ça, on se cachait dans une pièce, vraiment, on se cachait pour parler tout doucement. Parce qu'on n'avait pas le droit, on ne pouvait pas parler devant tout le monde. On savait pas qui avec qui. C'était trop compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les services de renseignement. Des espions, par contre. Est-ce que ça vous arrive de reparler dans votre langue maternelle ? Ah oui, bah toujours, enfin tous les jours. Quand je parle avec ma famille, je parle en kurde. Et quand je parle avec mes amis arabes, je parle en arabe. Heureusement, parce que une langue, même si c'est une langue d'origine, on l'oublie en fait si on ne pratique pas. À un moment, quand j'étais à Lyon, je suis resté 2 ans à Lyon. Et pendant une période, c'était très compliqué, je travaillais tout le temps, je faisais des heures sup. Mon but, c'était de mettre l'argent à côté pour faire mes études après. Et je ne rentrais pas chez moi pendant des mois et des mois. Et du coup, quand je rentrais chez moi, je parlais avec ma famille, je mélangeais le kurde avec quelques mots français parce que je les ai oubliés. Quoi. Et une langue, même si c'est notre langue d'origine, il faut toujours pratiquer pour ne pas oublier. Mais là, avec ma famille, on parle pas kurde, avec mes amis arabes et sur Facebook, en fait, j'ai beaucoup d'amis arabes sur Facebook. Et c'est grâce à ça que je garde encore les deux langues. Voilà. Oui ? Vous parlez combien de langues ? Alors, kurde, arabe, français, anglais, mais j'ai oublié en fait. Enfin, je parle, mais un petit peu. Avant, je parlais beaucoup mieux. Et quand j'étais en Turquie, je parlais turc, mais j'ai tout oublié parce que là, ça fait 5 ans. J'ai jamais pratiqué. Encore là, à la fac, par exemple, il y a deux cours d'anglais, mais vu qu'il n'y a pas de cours de turc, j'ai vraiment tout oublié. Voilà. Oui. Vous pouvez nous faire une phrase en kurde ? Ouais, dans votre langue. Je ne sais pas, en phrase comme quoi. Attends, laisse-moi réfléchir. On va déposer. Bonjour, comment ça va et comment tu t'appelles ? Ouais. Donc en kurde c'est Rojbash, Shtoni, Novitachia. Ça c'est en kurde. En arabe c'est Sabah al Khayl, Kaifa Haluka, Wama Ismuka. Ça n'a rien à voir, tu vois. C'est... mais grâce à deux langues, en fait, j'ai des amis arabes, syriens aussi, qui sont en France et qui sont là avant moi, mais on n'a pas du tout le même accent. C'est-à-dire quand on parle en français, on n'a pas le même accent. Parce que vu que dans la langue kurde, en fait, il y a certains voyelles et certaines lettres qui n'existent pas dans la langue arabe. Et l'inverse aussi. Vu que je parle les deux langues, ça m'a un peu aidé. Par exemple, le U, ça n'existe pas en arabe. Le V, ça n'existe pas. Le P, ça n'existe pas. Mes amis arabes, ils n'arrivent pas à dire P, par exemple. Parce que là-bas, il n'y a que le P. Voilà. C'est en fait... Je ne sais pas si vous avez étudié le voyelle, mais la langue arabe, ça parle là, en fait. Surtout, on utilise trop la gorge. La haïm, par exemple, la haïm, je ne sais pas. Vous arrivez à dire haïm ? Haïm. Le ha. Non, pas ha. Pas le ha espagnol.
Ouais, du coup, c'est compliqué, pareil. On prend la visite. Oui. J'entends rien du tout. Vous êtes arrivé, vous l'alphabet. Oui. Mais en fait, l'alphabet, c'est l'alphabet latin, donc c'est la même chose qu'au l'anglais. Sauf que oui, voilà, c'est pas le même. On ne prononce pas pareil. Du coup, j'ai dû commencer par l'alphabet proche. L'alphabet français. Je sais que la première chose que j'ai appris, c'était pas l'alphabet encore, c'était une application, un logiciel qui s'appelle Rosetta Stone. En français, Rosetta Stone. Ouais, c'est un logiciel pour apprendre des langues. L'allemand, le français, l'anglais, peu importe, l'arabe. Et c'était un logiciel, j'avais un livre devant moi, et sur l'écran, il y avait des images et le son. Et du coup, les premières choses que j'ai apprises, c'est un garçon, une fille, un chien, un chat. Voilà, des choses comme ça. J'ai commencé par ça. C'était cool. Ça n'a pas beaucoup d'idées pour après, mais... Et en Syrie, bah, si moi je rentre pas, si mes amis ne rentrent pas, si personne ne rentre, qui va construire ce pays? En fait, c'est mon pays quand même. Donc j'aimerais retourner, construire, et après, bah, pour revenir ici. Ou ailleurs, on ne sait pas, on ne sait jamais. Oui? Pourquoi vous faites la guerre en fait? Pourquoi je ne fais pas la guerre? Non, pourquoi eux, ils vous font la guerre? Bah, c'est ce que... Non, il n'y a pas dit parce que c'était à vous. En fait, vu que... Bah, en Syrie, c'était une dictature. Ça veut dire que c'était le même président depuis toujours, en fait. Ah ouais, si, vous l'avez dit. Oui, on l'a dit. Et du coup, les gens, ils voulaient changer. Les gens, ils voulaient avoir un autre président, ils voulaient avoir des droits. Donc, on a fait des manifs pour avoir des votes, tout ça. Et l'État, ça, j'ai pas expliqué. L'État, il a dit, c'est ce que je vais faire aux premiers manifestants. Je vais leur faire peur. Je vais faire le maximum, en fait. Donc, les militaires, ils sont partis. Au bout de première manifestation, ils sont partis. Ils ont tué sur beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. En espérant que ça fasse peur aux autres et que personne ne sort dans la rue après. Sauf que c'est ce qui s'est passé, c'est que bah, les gens qui sont morts, ils ont des familles. Ils ont des proches, ils ont des amis. Et donc, ces familles et ces amis, ils sont sortis au manif. Ils sont sortis au manif. Et quand il y a d'autres gens qui sont entendus, quoi, il y a des gens qui sont morts dans la rue, ils sont aussi sortis. Donc là, il y avait des manifs partout. Et... après, c'est parti en guerre civile, quoi. Voilà. Non ? Du coup, si vous rentrez en Syrie, vous allez faire l'architecte ? Oui, ça oui. Enfin, là, c'est oui. Non, là, je peux pas. En fait, là, je peux pas arrêter mes études ici parce que bah, c'est un diplôme pour le ramadan. Vous faites le ramadan ? Le ramadan. Ah, c'est une histoire, ça. Bah, en fait, déjà, il faut être croyant pour faire le ramadan. Il faut croire en religion musulmane. Mais moi, je crois pas en religion. Ah, c'est un choix, donc je crois en Dieu, mais je crois pas en religion. Mais le ramadan, c'est autre chose, c'est une culture, enfin, c'est dans la culture arabe et musulmane. Par exemple, vous faites tous Noël, non? Mais est-ce que vous êtes tous chrétiens et croyants? Non, voilà. Non, c'est juste pour manger. Le ramadan, c'est pareil, le ramadan, en fait, en gros, pour vous expliquer, je sais pas si vous savez comment ça se passe, c'est un mois, en fait, où les gens mangent des choses. Du matin, au lever du soleil, jusqu'à au coucher du soleil. On mange pas du tout. Et ensuite, bah, vu que moi j'habitais dans une grande famille, ça veut dire tous mes oncles, mes tantes, ils étaient tous l'un à côté de l'autre, bah, avant le coucher de soleil, avant un quart d'heure de iftar, on dit iftar pour manger, avant un quart d'heure, il y a toutes les familles qui échangent des repas entre eux. Et du coup, on se retrouve avec une grande table avec 5000 repas. Donc, voilà, c'est un moment déjà familial. Donc quand je suis arrivé en France, je faisais encore le ramadan, après j'ai arrêté. Parce que bah, c'est surtout un moment de partage, quoi. Noël, on ne va pas fêter Noël tout seul, tout dans votre coin. On est d'accord. Et ben, le ramadan, c'est pareil. Pas pour moi. Hein. Mais après, il y a d'autres études qui disent que c'est bon pour la santé. Et il y a certains hôpitaux qui font du jeûne, pas de ramadan, mais du jeûne, où par exemple, l'Allemagne, il y a un hôpital qui nourrit des gens juste avec de l'eau, certains jours, et après avec autre chose. Ben, parce qu'ils disent que c'est bien pour la santé. Il faut gagner, je ne sais pas quoi. Mais le principe, c'est aussi apprendre à être patient. En fait. Mais pour répondre à ta question, pas en ce moment.
Vous avez voté pour la France pour le nouveau président. J'ai pas le droit d'un vote. Les seules deux choses que j'ai pas le droit, c'est voter et travailler dans les, en tant que fonctionnaire. Il faut surtout demander la nationalité après. Ah, pardon. Et moi, j'ai pas la nationalité française. Ouais. Vous avez demandé la nationalité française. Franchement, je me dis pourquoi pas. Mais en même temps, je me pose des questions. Parce que, enfin, je me dis, moi, j'aime pas profiter des choses. Là, j'ai mes papiers, je suis tranquille, j'ai mes papiers jusqu'à 2026. Et après, ça va être renouvelé encore 10 ans. Et donc, les papiers, ça n'a pas changé grand-chose pour moi, mis à part les votes et être travailler dans les, en tant que fonctionnaire. Des fois, je me dis pourquoi pas, parce que, bah, en fait, j'habite ici, j'ai des amis français. J'ai appris beaucoup sur la culture française. J'ai visité la France beaucoup plus que certains Français. Là, avec des projections, j'ai visité plus de 20 villes françaises. Donc, partout. Lille, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, Lyon, Paris, Angers, non, tout ça. Cercy, Nevers. Bon, j'ai déjà été à Caen aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Le lycée là-bas, je ne sais pas si vous allez aller au lycée l'année prochaine. Peut-être que je retournerai l'année prochaine au lycée. Et du coup, voilà. Je me dis pourquoi pas. Mais en même temps, par exemple, quand je regarde un peu la politique qui se passe en France en ce moment, je me dis, est-ce que je suis vraiment d'accord? Parce qu'on dit, ici, il y a la loi et tout, mais la loi, ils ne protègent pas les gens, ils ne protègent pas les citoyens. Mais je pense que je vais finir par la demander, parce que bah, en fait, je suis jamais ici, quoi. Donc, je suis content d'avoir des papiers français. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'au pas. Je ne suis pas là en tant que prof pour vous donner des leçons et tout ça, mais l'histoire de changer, de vous montrer la. Bah, Non, mais ils osaient pas. Ah oui, le Kurde en fait, c'est comme les Arabes, comme les Français, comme l'Anglais. C'est un peuple. Il y en a à peu près 45 millions, 50 millions de Kurdes. Sauf que nous, on n'a pas un pays qui s'appelle Kurdistan. On n'a pas un pays qui est propre aux Kurdes. Parce qu'on a été divisé pendant la guerre de 1916 par des Anglais et des Français. Malheureusement. C'est eux qui ont dessiné les pays. Et donc, on a été divisé, on n'a pas de pays. Mais on a une langue, on a une culture, on a des choses assez différentes. On s'habille différemment que les Arabes. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Est-ce que vous connaissez des Kabyles, des Berbères et tout ça? Des quoi? Des Kabyles. Des Kabyles. Des gens qui viennent de Bagdad. Des Kabyles. C'est quoi maintenant? Des Kabyles. Des Kabyles, quoi. Berbères. Non, ça vous dit rien. Qui? Des Kabyles. C'est qui? C'est, ben c'est des gens qui viennent de pays de Maghreb, ouais, voilà. Qui habitent là-bas. Pas des Arabes. Mais qui font des allers-retours. Ah non, mais c'est juste un peuple en fait, qui s'appelle comme ça. Et du coup, bah, nous, on a un habit qui est assez différent, avec des couleurs, tout ça. On habite dans les endroits où il y a des montagnes. On a une langue qui est totalement différente de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a des fêtes différentes. Par exemple, nous, le Nubilan kurde, c'est le 21 mars. Le 21 mars, c'est le Nubilan kurde, qui s'appelle Nowruz. Et chez nous, par exemple, c'est plus ou moins comme Noël, on sort tous dans la nature, parce que c'est aussi le fait de printemps dans certains pays. Donc on sort tous dans la nature et on fait des grosses fêtes, il y a des gens qui viennent chanter, et chacun ramène à manger avec lui, et on partage ça avec tout le monde. C'est chez Donc c'est comme le français, mais c'est un peu plus différent.